Oh, puis je démarre, je n'en peux plus d'attendre. Ah, oh, la joie de vous retrouver, un jour de grève générale. Oui! Ça me fait bizarre de diffuser un jeudi, mais bon, voilà, comme c'est le boxon. Bonjour à toutes et toutes, pardon. Au lieu de regarder la caméra, moi j'ai regardé le micro. Bonjour micro, tu es beau. Excusez-moi, ça commence très fort, c'est bon signe. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire mémuse sur du. Enfin, je vais faire mémuse sur. Mince, Arran, la ville fictive turque. J'adore ce jeu, je suis pas foutu de reconnaître le titre du premier coup. Dying Light. Oh là 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 là. Que dire? Que dire, que faire? Déjà, pardon, c'est triste, j'aurais pu démarrer à 9h. Mais je me suis fait avoir, pour ceux qui me connaissent, en semaine, je suis sous Linux. Et pour jouer, je suis sous Windows. Et en démarrant en pleine semaine, du coup jeudi, là sous Windows, j'ai complètement oublié de débrancher en USB tout ce qui est support que je traite en semaine, que ce soit des clés USB, des disques durs, etc. Du coup, quand j'ai lancé mon Windows ce matin et je me préparais un café, la peinard pépouze, je me suis fait avoir par l'analyse de lecteur qui a duré 3 quarts d'heure. C'est pour ça que j'arrive avec autant de retard, je suis navré. Ajoutez à cela que, en lançant mon Steam, je me rends compte que je dois mettre à jour le jeu. Donc je démarre en mode papotage, même si j'ai déjà déclaré le jeu dans la catégorie, il y en a pour avant 10 heures, j'aurais lancé, je vous rassure. Mais je vous fais la causette bêtement pour meubler, puis j'ai hâte de voilà de à nouveau interagir avec vous. C'est une drogue, je suis en manque. Ah, mon Twitch. C'est ça en plus. Fait du bien de pouvoir se défouler. Et pourquoi il s'est arrêté en plein téléchargement là? Ah non, il a fini. Ah bah il a fini, on va pouvoir lancer. J'ai rien dit! Youhou! Oh, même Libby, il y a 86 mégas à télécharger. Et les nouveautés de la saison, là. Bref, alors, on va faire du Dying Light, si je retrouve l'icône. L'icône est là. Est-ce que j'ai tout pour jouer? Normalement, j'ai ce qu'il faut. En espérant que j'allume mon cerveau. Oui, jouer à Dying Light. Non, pas de partie personnalisée. Je sais même plus où est-ce que j'en suis dans ma carrière, moi. Oh mon Dieu. Oui, j'avais dévoué 4 succès ma précédente session de jeu. Ah oui, j'en avais fait une spéciale que j'ai mis directement sur YouTube, qui n'était pas en direct. J'avais fait un défi de quarantaine dans je sais plus quel garage, parking de bagnole d'un immeuble. Et. Oh punaise. 2 heures pour réussir la mission au niveau moyen. Au niveau dur, sans me faire détecter par les gros monstres là, impossible. Oh, mais c'est haletant, ça fout les chocottes, c'est bien programmé, j'aime bien. J'avais pas boudé ma soirée, comme on dit. La 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 la. Bon. Depuis 2 mois, le monde entier a les yeux. Depuis 2 mois, oui. Depuis 2 mois. Papa. Depuis 2 mois, je joue à cela. C'est vrai. C'est vrai. Je dois l'avouer, c'est vrai. Quoi? DLD, mise à jour, premier anniversaire. Ah, le 2 est sorti il y a déjà un an. Les temps passent trop vite. Alors, attendez, je vais vous mettre l'image. Voilà, le temps de charger la partie, je remets le bon plan. Bougez pas. Bougez pas, y vous voir. Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Ouais, sinon vous voyez plus rien. Tac. J'ai l'impression que le son du jeu est pas fort. Ça me rend fou. Ah bah non! Mais. Ah bah non! Mais non! Mais. Pourquoi il m'a détruit mon chatty qui me permet de suivre le chat?
N'importe quoi. J'ai voulu gérer la fenêtre, du coup j'ai provoqué un, comment on appelle ça? Un crash du schmilblick. Oh, nimp. Je peux l'avoir en plein écran, bande de ch'trougnoufou, ou c'est trop demandé là? Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais merde! Pourquoi je l'ai plus en plein écran? Là, c'est chiant, j'ai la barre. Oh, merdoum! Excusez-moi, je suis en train de m'énerver parce que. Habituellement, il me le fout en plein écran. Puis je trouve que le son est faible. Blouloulou. Ah d'accord, ok, pour le son, c'est va te faire voir quoi. À moins que ce soit dans partie. Ah oui, c'est dans partie. Volume microphone. Ouais. Attends, je vous mets le schmilblick plus fort parce que sans déconner, on n'entend rien. On n'entend rien. Ah, perfect d'entrée, microphone, machin, mode de saisie vocale, activité vocale. Push to talk, désactiver. Oui, désactive-moi ça, et oh. Allô, t'es, j'avais pas vu qu'il m'avait activé le schmilblick. Je peux pas demander un. Ah oui, plein écran, oui. Voilà. Merci, monsieur. Enfin! Ah! Je vais pouvoir jouer comme il se doit. Option de session. Oh mon dieu. Personne. Personne n'est en ligne. Bon, faut que j'arrête moi avec mes touches et. Je suis en train de perdre mon matos là, bêtement. Bien fait pour ma gueule. C'est quoi mon. Accomplissement de quarantaine? Non. Pacte avec Rice. Demandez votre récompense à Rice. Alors, faut que je reprenne mes repères moi aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Destroy quoi? Oh mon dieu, zombie de feu, je te vois. Oh là là, faut que je reprenne mes habitudes, moi. Ah, c'est Putain, mais les zombies, ils sont fous. C'est les annonces de supermarché. Ah. Hop Wow! Donc, d'après ce que j'ai compris, Rice n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Non, mais tout le monde a peur de lui. Et puis tu sais ce qu'on dit. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Ouais. Machiavel. Tout à fait. Un Exactement. mec qui avait les pieds sur terre. Ah bah c'est bien, ils connaissent leur classique didactorio. Manuel de la parfaite petite dictature. Quelle horreur. Oh non, j'ai un péteux. Il a une grosse envie. Bonjour, Torota. Bah, ça va bien, merci, et toi? Voilà, je profite de ce jour de. Je sais plus c'est quoi la touche. Oh, violence. Évidemment, ça a excité les autres zombies. Oui, je disais, je profite de ce jour de grève nationale pour j'ai posé congé, tu vois. Oui, c'est bien que t'ailles bien, c'est cool. Ça fait plaisir à lire. Je vais en exciter là, voilà. Oh! Alors, je préviens que ma chaîne est réservée aux adultes. C'est très violent. Hop,
punaise. Ce carnage. À chaque fois. Bref. Oui, bref, je préfère du zouk national, pardon. Du bazar où j'avais annoncé que j'avais posé mon jour. Et ça me permet d'être avec vous. Alors, pardon si j'ai démarré trop tard. J'avais dit 9h. Mais je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai démarré mon Windows sans faire attention. Et comme j'ai laissé brancher des différents périphériques sur lesquels je suis en train de bosser en ce moment, j'ai eu l'analyse de disque qui s'est lancée. Donc j'ai perdu 3 quarts d'heure à un écran noir avec le pourcentage analyse en cours là. Ce qui fait que je démarre seulement maintenant. Bon, c'est pas la fin du monde, mais bon, au moins j'ai pu faire un peu de vaisselle en attendant. Pour moi, c'était pas perdu. Voili, voyou. Mais bien content de pouvoir me détendre. Ils sont beaux, leurs paniers en oseille, j'adore. Alors, je me souviens qu'il y a 15 jours, 3 semaines de ça, j'avais fait hors antenne, j'avais fait mes... J'ai envie de renverser la plante, c'est horrible. Oh, oh, l'excité, on se calme, là. Ah merde, mon arme est inefficace, elle est pétée. À la pétée. Bon, elle va se calmer, là, madame. C'est ça. Oui, j'ai envie de renverser la plante qui est magnifique, mais c'est pas programmé. Elle est jolie comme tout. Oui, hors antenne, j'avais... Je vais peut-être éteindre ma lampe torche, pardon. Je suis en train de... C'est quoi la touche de la lampe? Faut que je prenne mes repères, hein. Non. Bah non, ça c'est le menu. Je me souviens plus comment j'éteins la lampe. Bien fait pour ma gueule. Hors antenne, j'ai fait les recettes pour avoir les cocktails Molotov, les crochets, etc. Je me suis amusé pendant un quart d'heure comme un ego à m'exciter sur le menu. Mais au moins, ça m'évite de le faire. Hop là. Oh la vilaine madame. Ah, elle est pas mourue. Oh la vache, la gueule de l'arme. Attendez, je vais peut-être changer le truc secondaire là parce que ça me fait un pavé à l'écran. Je sais pas, connaître son ennemi, activer prime. Voilà, je crois que ça va être plus discret. C'est plus discret. Oh le bordel. Ah, pas fouillé. La 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 la. Je me promène. C'est le bordel. J'ai même pas regardé sur la carte de la ville si j'étais loin de mon point de chute. Okay. Oh, c'est les hommes de Rice. Tu crèveras pas tant que je l'aurai pas décidé. Et ça peut durer longtemps. Tu crois que je joue avec toi? Tu crois que je suis là pour rigoler? Oh. Faites-lui mal. Ça fait mal. Alors, c'est les jeux objectifs secondaires, là, je suis vilain, j'ignore. Parce que c'est vrai que les hommes de Rice, je m'en méfie, sont costauds quand même. Ils sont costauds! Je suis lâche, j'avoue. Oh là là. Ah! Oui, y a pas de souci. T'en fais pas. Ah! Merde, une excité. Oh, le gadin qu'elle a eu. C'est drôle. Alors. Eh bien. Oh là 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 là. Oh les excités. West Iceland. Oh merde, j'ai un autre super. Ah, maintenir à fouiller. Bon. Encore ? Ah, mais il y en a combien ? Hop là.
Ça aurait été rigolo de faire péter dans le bus le gars qui a la bonbonne de gaz. Ça aurait fait, mais alors, un truc de fou. C'est très dangereux, mais c'est drôle. Non, bah allez, je vais pas m'acharner. Est-ce que je peux changer au niveau cocktail Molotov? J'essaye de me souvenir de mes touches, mais je sais plus comment je les ai programmées. Non, c'est pas ça. Je crois que j'ai un truc. Normalement. Non, c'est pas ça. Encore que dans le menu, je crois que je pourrais choisir. En disant par exemple, est-ce que je peux avoir les Molotov? Non? Bah merde alors, je me souviens plus. En crochet, j'en ai 381. Par contre, des Molotov, j'ai l'impression que j'en ai plus. Ah non, c'est là. C'est là où il faut sélectionner, d'accord. Bah ouais, équipé, ok, mais... Non, non, je vais pas y changer. Ah non, ça marche pas comme ça. Bon bref, c'est pas grave. Le gars, il est là-bas. Tu me diras, il y a un autre bus, alors autant y aller. Ah, il y a un excité numéro 2. Comment je l'ai fait gicler le gars, la bonbonne? La violence. Ah, il va falloir que je passe la rivière, là. Faut que j'aille dans l'autre rue. Mauvais choix. Là, c'est limite si j'aurais pas pu sauter sur le pont, dis donc. Parce que comme on a vu de près la poutrelle... Vous êtes sérieux, les gens? Oh là 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 là, ça fait peur. Ah merde, c'est une excité. Hop là. Ouch! Par-dessus le fil barbelé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop là. Là, j'en reviens pas, le mec il se met même pas une entorse, rien. Extraordinaire le gars. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi au moins je peux te faire confiance, c'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. La compassion, c'est la faiblesse. Tu leur donnes un doigt, ils te gonflent le bras. Digé, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Je peux pas vous faire confiance. Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour, mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi. Un bon petit... clébard. C'est... Écoute, pas avec un C, clébard. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça et rien de plus. 5 flacons? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le scorpion, Jade Aldemir, ramène-la-moi. J'ai... une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps elle tiendrait. Quoi? Non, pas question. Ça manque de conviction tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui? Les habitants de la tour?
ou la demoiselle en détresse. File et réfléchis. Viens voir à ton tour. J'ai quelque chose pour toi. Dur, dur, dur. Oh merde. Oh non, il est excité. Hop là. Oh là là, ils sont déjà là, ils sont déjà là. Oh, j'avais pas vu le coup du train qui est, enfin du wagon qui a, bon, c'est super dangereux, ça fait flipper. Hop là, merde, évidemment, j'essaie de sauter du côté où le truc est le plus haut. Où est ma logique? Il y a un beau temps sur Arran aujourd'hui, virtuellement parlant. Pourvu que ça dure. Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jad Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Je fais pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Mais je me souvenais plus que dans la narration, c'était à ce moment-là qui commençait à faire, on va dire, la nique à ses employés. Ses employeurs, enfin son employeur, si on considère le GRE comme un employeur, puisque c'est une organisation. Bref. Voilà. La voie ferrée est la voie la plus sûre. Sérieusement. Hop, dans les pattes. Oh, ça a bien marché, dis donc. La 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 li la la li la li la lou. Tchou tchou le petit train train quotidien. Bon, écoutez-moi tous. On a plus de gaz à la tour. Et j'ai l'impression que c'est pareil partout en ville. On sait ce qui s'est passé? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Je peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part, derrière la gare. La petite forteresse derrière la gare. Gaz à tous les étages. T'es pour suivre. Ben, je veux bien. Je veux bien. Trouver la forteresse de Jeff derrière le garage. Le garage. Derrière la gare. Le garage, n'importe quoi, moi. Ah, elle avait cru me voir, là. La super zombie. J'ai vu le pied dépasser. Ah, pas mal. Ça se tente. Là, c'était pas trop non plus. Quoi, l'excité m'a repéré ou... Non. Payap, payap. Bah, c'est après le pont de la gare. Enfin, le pont de... du tchou-tchou, c'est logique. Qui c'est qui parle? Alors, là, je vais être obligé de m'en aller parce qu'ils sont quand même un bon petit groupe de zombies de base, hein, je suis d'accord. Mais un bon petit groupe. D'ailleurs, faut que je pense à entretenir mes armes. Je vais me faire avoir stratégiquement de ces jours. Bon, c'est bien, elle est morte. Oh la vache!
Reprends ton souffle. Ah merde, mon arme est déjà inefficace. Ah oh, je l'ai flammé. Le monsieur pète le feu. Ah non, 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 non. Putain, comment qu'il arrive à me choper l'autre? Oh merde, c'est pas possible ça, on appelle d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, il m'a pété dessus. En fait, ça attire tout le monde. C'est le principe de la mêlée au rugby. Ça parle très mal. Aïe! Oh, la mandale qu'elle vient de me mettre! Elle m'a explosé contre la poutrelle, la vilaine. Non, là, il y en a trop, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là! Ouais, ça craint mon histoire. Oh, puis il y a un autre super excité qui m'a repéré en contrebas. Qui va me rejoindre? On la voit arriver, là. Hein, encore qu'elle bug, j'ai envie de dire. Alors, réparons ce que je peux réparer. Ça aussi, c'est pété. Il est bien de marquer des petits intents pause quand il y a des zombies furax, là. Ah bah tiens, je vais pouvoir passer, du coup. Là. Comment que j'ai atterri sur zombie? Quelle horreur. Alors, je peux descendre délicatement. J'avais pas vu les barbelés, merde. Et y'a les barbelés. Oh, puis y'a du peuple. Oh là là. Oh, y'a un gros vilain qui... Pourquoi ils sont si nombreux là? Aïe 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 aïe, ça tombe très très mal. Ça tombe très très mal. Oh là 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 là. Alors ça, c'en était une horde. Wouh! Énorme. Misère, misère. Du coup, il m'a remis dans un endroit, je sais pas où je suis. C'est une des planques que j'ai déverrouillée. Le truc est en face. Alors, je ne sais plus du tout où est la gare. Ah ouais. Ah bah, c'est... Je suis tout proche de la planque du mec. Ah, voilà, il y a un point d'entrée où il n'y a pas de barbelé. Merci. Alors, il est où le mec? Putain, comment qu'il s'est sécurisé, le gars? Je doute que la porte soit... Avec un paillasson, bienvenue, welcome. Le truc improbable. Putain, la vache, pour sécuriser, il l'a sécurisé. Alors, il est où le mec? Ah, il lit Geek Magazine. Il est Geek Magazine. Bah alors, il est où le gars? Oh, salut! T'es dans la tour de Fort Jefferson et tu dois m'appeler Commandant Jeff. C'est moi qui fais les règles. Pigé? Pas Brecken, pas Rice. Ici, c'est Jeffville. Ou Jeffland. Ou Jeffertown. Où New Jeff City? Écoute, Jeff. Commandant Jeff. On a un gros problème. Le gaz est coupé partout en ville. Ah, ouais. Ça c'est moi. Tu as coupé le gaz? La réalisation du mur de l'apocalypse de Fort Jefferson nécessitait l'arrêt temporaire du gaz pour les civils. Mais tout est prêt maintenant. Tu vas pouvoir remettre le gaz. Je crois plutôt que c'est ton boulot. Non, impossible. Je peux pas abandonner mon poste. Faut envoyer quelqu'un de pas indispensable. Commandant. Je suis volontaire. Je te connais pas, mais t'es un bon soldat. Essaie de pas mourir. Maintenant,
Va ouvrir les vannes de répartition et la vanne de distribution principale. Yep. Ensuite, reviens me voir. Et je rétablirai l'alimentation de la ville. Hé hey, si tu te fais pas tuer, tu seras le premier civil à voir mon mur de l'apocalypse. J'aime bien comment ils ont travaillé les personnages. Il y a une galerie de portraits de Joyeux Luron. Si j'étais fêlé, comme les gens le disent, je ferais pas un mur de flamme. Alors, oh la vache. Ah, j'espère que ça va bien de ton côté, cousin. Pardon. Alors, ouvrez la vanne. Donc, il y a 3 vannes. Ok. Sympa, là. Oh, la... Attends, c'est réparti dans toute la ville? Parce que je cherchais mon indicateur des yeux. Oh la vache, il y en a du monde. Ouais, ça va. C'est cool, c'est bien. Alors, attends. Il y a une vanne là. Il y a une vanne là-dedans. Oh, elles sont dans le coin, ça va. J'avais peur qu'elles soient vraiment réparties 3 quartiers différents. Alors... Bon, c'est pas comme s'il y avait 14 milliards de zombies, mais... Je trouve qu'il y en a plus par rapport à mes précédentes parties. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, plus on attend, plus on avance dans l'histoire, plus ça devient balèze, il y a plus de types de zombies, ils sont plus nombreux. Donc à mon avis, le final doit être un bordel monstrueux. Et je suis pas pressé d'y arriver parce que je suis déjà en difficulté. Je retrouve même plus la partie de Muret qui était pas... Qui était pas en barbelé. Attends, hop là. Bah merde, c'était où? C'était pas par là-bas? Si, non. Ah merde. Excuse-moi, mais eux, ils peuvent tomber, là. Le zombie, il me voit, il pose problème. Elle est perfectible, ta forteresse. Ah, c'était là. C'est là qu'il n'y a pas de barbelé. Il n'y a pas de barbelous. Alors, la passerelle. La passerelle. Il faut passer par là. Tant que j'ai pas un super zombie de la mort qui tue... Tu crois que je peux... Oh, j'ai pas d'intérêt. Si. J'ose. Oh, joli. Non. Oh là là, quel athlète. Oh merde. J'avais pas regardé le point de chute. Le truc y a pas à faire. C'est bien, l'autre il se barre à l'opposé, il est complètement crétin. Alors, j'ai un truc en contrebas. Par contre, pour... Ouch. Ah, évidemment, il y a un mini-boss dans l'arène, sinon c'est pas drôle. Alors, il y a une grille, toc-toc, il y a quoi? Il est où le point d'entrée? Non, vous êtes sérieux? Mince, je suis pris dans les... Ah, c'est un pompier. Ah ouais, le truc, il est... Ok. Le truc est parfaitement isolé. Ah! Dakodak. J'aime pas ce que j'ai entendu. Merde, ça veut dire qu'il y a un dégueuleur. Je sais pas où il est, mais... Merde! Je me suis loupé. J'aime bien le début de la musique de... Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire le début d'un titre de Stromae. J'ai l'impression qu'il va se mettre à chanter quand j'entends la zik là. Ah, il est là, le hurleur. Le vomito, pardon. Euh...
Alors, il faut que j'aille au bout du truc et que je me jette dans le... ce qui est une hérésie puisqu'il y a un costaud dedans. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, elle vaut cher, là. Et c'est là où je me dis qu'il faut que je retrouve... Non, ça, c'est pour changer d'arme. Parce que je m'étais programmé un truc pour changer de truc d'utilité. Enfin, d'utilitaire, c'est pas le bon terme. Mais de... Ah, ça, c'est la lampe, visiblement. Ouais. Je révise mes touches, hein, pardon. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Là, je me soigne. Là, je jette mon arme, ce qui est une très mauvaise idée. Ne pas appuyer sur cette touche. Note pour soi-même. Ah, merde. Mais j'avais programmé une touche pour changer de d'objet. Pardon, ça c'est le menu. Ça, je lance le truc de... Ok. Je sais plus comment j'avais fait. Sélectionner. Non, c'est pas dans ce sens-là. Bah merde alors! Oi. C'est vrai que j'aurais une bonbonne de... Ah bah non, je pourrais pas apporter une bonbonne de gaz ici. C'est ballot mon truc. Ça va mal se finir, mais bon. Aïe. Je peux pas... Corps à corps avec ces loustiques, c'est l'enfer. Ouais, non, c'est l'enfer. Oh merde, et puis il y a une excité qui nous rejoint dans le lot. Oh! Alors, est-ce que je peux récupérer mon arme? Ce serait bien. Aïe! Ne pas tourner le dos à l'adversaire. Peut-être pas la meilleure arme. Ouh, il aime pas. Oh merde! Oh, je pensais pas être à sa portée. Ah, la vache, oui, il a une portée de malade, le gars. Attends, elle est où l'excité? Non, nerveux l'excité. Merdoum. Je sais pas comment faire. Ah bah oui, tu parles. Là, il m'a littéralement encastré. Ah oui, non mais il m'a encastré. Ah, là il peut peut-être rien faire. Ouais. Ah oui, elle est là l'astuce. Aïe! Mais depuis quand vous pouvez me toucher à travers le grillage, vous? Putain, ils vont me bouffer tous mes kits de soins. Aïe. Oh, c'est mal foutu. Oula. Oh, c'est très très sport. Aïe. On va peut-être changer d'arme, peut-être varier les goûts, les plaisirs. Je suis trop près. Oh là. Merde. Chaque fois, je sous-estime la portée de son attaque à lui. Ah, je l'ai rendu électrique. Je l'ai rendu... Oula. L'idéal, c'est vrai, c'est d'être en l'air en train de sauter au moment où il fait l'impact au sol. C'est logique en même temps. Non mais je vais bouffer tous mes kits de soins là, faut arrêter. Ouch. Merde.
J'ai merdé mon show, la 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 la. Elle va se calmer, elle. Alors, elle peut me frapper, mais moi, je peux pas. C'est démentiel. Bonjour, Tunsen. Bonjour, Fanfan. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Hop, hop, hop. Oh. L'arme là, il n'y a pas goûté encore. Ah, la diffusion lag. Tiens, bizarre. Bizarre que ça lag. Hop là! Alors, ça lag. Ah oui, il m'a fait le message encodeur en surcharge. Merci pour l'info. Bizarre. Ah ouais, j'ai une petite activité disque dur, mais non, c'est l'enregistrement. Alors attendez, je regarde. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il me dit que j'ai aucune image perdue. Mais effectivement, ça lag. Pourquoi? Coucou. Ah, merci pour l'info. Qu'est-ce qui fait que ça lag? J'ai pas 50 000 programmes. Ouais, normalement j'ai mes programmes habituels. J'ai pas de... Bizarre que ça lag. C'est bizarre. Attendez voir. La 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 la. Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu le temps de m'amuser à mettre la config double PC. Faudrait que tu fais bien d'en parler. Faudrait que je m'avance la semaine prochaine dans l'idée de mettre ça en place. Ça peut être très sympa, effectivement. Ça y est, vous chamaillez déjà. Vous êtes terrible, vous êtes comme chat et chien. Pif et Hercule, c'est comme ça que je vais vous surnommer, Funfan et Vincent. Ah, vous êtes terrible. Non, je pense que c'est mon jeu qui est un poil trop gourmand. Donc, attendez voir, je vois si... Mais je crois que j'avais mis au minimum hein, tout ce qui était vidéo. J'avais mis au minimum. Occlusion ambiante, blablabla. Ouais. Je peux pas faire mieux. Hein. C'est peut-être la solution à tes lags sur les gros jeux. Oui, ouais. J'admets. Je peux baisser un peu la distance de visibilité, donc il aura moins d'options, enfin d'éléments graphiques à charger dans la mémoire de la carte vidéo, mais en dehors de ça, Ou alors, ce que je peux faire, c'est donner la priorité, bougez pas. Ah oui, merde, s'il me fait sauter le truc, je vais pas être content. Donner la priorité à OBS. Alors, détail. Alors, OBS, ouais, qui bouffe pas mal de... Je vais mettre haute. Voilà. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Je dis bien avec un peu de chance. Ouais, ils se battent en duel, OBS et Dying Light, pour le processeur. Ils se battent en duel. Alors, attendez. On va remettre le jeu. Avec un peu de chance, vous verrez le... Hop, comme il faut. Voilà. Allez, go. Ouais, forcément, je suis dans à la portée du loustic.
Ouais. Bon duel de boîte de conserve, là. Non, mais c'est vrai que la config, elle est chiante. Oh non, l'autre, il frappe à bonne distance dans les sacs. Il trouve le moyen de m'éjecter. Putain, mais c'est abusé. Oh là 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 là. Oh non, mais c'est... C'est complètement triché, ce boss là. Oui, c'est ça, monte. Fais ton macaque. Sauf que j'ai nulle part où aller, moi. J'aimerais bien me soigner. Le rêve, c'est d'avoir une bonbonne, de revenir, la poser et le mec, j'explose. Allez, go. Hop là. Je me soigne. Oh la vache. Là, il y a l'excité, elle est là. Alors là, pour le coup, moi, je vois que c'est mon jeu qui ralentit. Il n'y a pas de miracle. Alors, ça doit être plus fluide pour vous, je l'espère. Mais alors, c'est mon jeu qui lag pour moi aussi, pour le coup. Je suis désolé, je pourrais pas faire mieux. Oh, attends, c'est un avion, ça. Ah oui, il y a eu un largage. On voit les caisses. Je vous dis bien que j'avais entendu un moteur à réaction. Ouais, c'est mieux. Ah, c'est intéressant. Faut que je donne la priorité haute à OBS. Mais ouais, la semaine prochaine, j'essaierai de mettre en place la soluce. Excusez-moi, vous aurez pas un bal d'explosif, enfin, surtout une bonbonne de gaz. Ce serait pour faire gicler un boss. Non, il n'y a rien. Bon, là, madame, non, s'il vous plaît, madame, oubliez-moi. Oubliez-moi, dadidoudi, dadidouda, oubliez-moi. Mais vous êtes... Mais... Oh, ce bug! N'importe quoi. Tiens, je la fouille alors qu'elle est encore électrique. Ce bug, il y a eu la double porte pétée. Si seulement. Ah, le rêve de la petite bonbonne de gaz là. Et puis je m'en débarrasse parce qu'il me bouffe trop. Je peux pas l'avoir au corps à corps. C'est pas possible, j'ai pas ce qu'il faut. Ou alors je fais massacre à la tronçonneuse, mais j'ai pas la tronçonneuse. Oh, quelle horreur. Elle est dans les eaux putrides et ah, elle s'anime encore de vie. Ouais, je veux ch'ti bonbonne de gaz et faire crack-pouf. C'est une mission principale, vous allez voir qu'elle va me tenir en haleine jusqu'à midi. Tellement que je suis mauvais. Tellement que je suis mauvais. Tu m'entends? Brecken, tu m'entends? Merde. Jade, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antizines t'as récupéré? Rice voulait que... On s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On n'ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18e étage. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antizine. Et perds pas l'antizine. Bon, bah je suis en train de me continuer tout le canal en désespoir de cause... Il me faut impérativement une bonbonne de gaz parce que le boss il est trop chiant. Oh attends, il y a une caisse dans la flotte. Dans les eaux putrides. Bah. Attends, c'est quoi ce délire? Wow, il y a une caisse qui a été larguée dans les eaux putrides. Ah, putain, fallait le voir. Attends, oxygène là, c'est horrible, c'est dégueulasse. Déjà, j'ai pris du temps pour... Bah, parachutage volé, pardon, mais moi, je vais avoir le mien, là, de parachutage. Ah, la caisse a dû percuter la falaise. Ça explique le point de chute. Alors... Surtout, prends ton temps. Bah, c'est moi ou j'ai pas la bonne touche? Bah... Ah, oh, c'est bugué. Oh là 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 là. Ah,
Ah, oui, je sais pas, tu l'as pas encore lu, Fun Fan, il y a Torota qui est adorable qui demande comment tu vas. Hop là, merde. Ah, je voulais pas aller au-dessus, je voulais aller en dessous. Parce que visiblement, il y avait une grotte. Allez, une petite baignade dans les eaux putrides. Blup. On est d'accord, il y a un truc, non? Non, hé, il y a un passage. Vous entrez en zone sombre. Ouais, sous-entendu, peut y avoir des super boss. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah! Effectivement, ça doit être la planque le jour des horreurs. Il est buggé, lui. Alors, lui, il est buggé. Il fait du surplace. Oh là là, il n'y a que des merdes, en fait. Ça craint. Putain, il y en a un, visiblement, qui est tout proche de moi. Il est peut-être au-dessus de moi, en fait. Je le vois pas. Ah oui, comme il supporte pas les rayons du soleil, il se planque là. Oh la vache. Ça constitue un vrai défi. Je veux pas y aller maintenant, parce que je suis trop fragile. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. En plus, je fais de la mouise. J'ai perdu mes touches pour avoir les utilitaires. Bref, je fais nimpe. Nimpe, nimpe, nimpe. Non, c'est la lampe torche que je voulais arrêter. C'est la lampe torche. Non, mais c'est la misère, quoi. C'est la misère absolue. J'adore les fougères. Ils ont trop bien modélisé les plantes. Je suis fan. Oh la vache, c'est plus haut que je ne pensais. Oh là là. Ah. C'est le genre de truc qu'il me faudrait, mais en version plus compacte. Ouh, quelqu'un a une bouteille de propane. Je cherche du... Ouh. Non, pas le propane là, non. Ah, ah. Y'a pas ici que je te frappe. C'est parce que c'est drôle. Hop. C'est pour moi. Évidemment, ça attire les excités. Allez, viens l'excité. Oh, je l'ai encastré dans le décor. Oh. Putain, j'avais déjà bousillé mon arme, dis donc. Eh, oh, il y en a combien, là? Je suis en train de me faire assaillir, c'est scandaleux. Bon, génial, l'objectif principal n'avance absolument pas. Je suis nul. Là, là, là. Oh, bien, pièce électrique, enfin électronique, pardon. C'est du bon. Ah, la convoitée propane. Bon, je prends le risque de me balader avec... Voilà. Là, 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 là. Alors, objectif, là où il y avait le Gugus. Ah, bah, c'est une zone sûre, ici. Oh, ils annoncent le petit train-train. Le petit train-train quotidien. Alors, je suis agréablement surpris de me dire qu'il y a personne, là. Merde, j'ai une excité. Oh, la casse-bonbon. Oh, magnifique. Toujours garder une bouteille de propane sur soi. Alors, c'était par là que ça se passait, je crois, non? Ah, revoilà notre homme. Tiens, attrape. Magnifique. Alors, maintenant... Elle va se calmer, déjà. Hein, la surexcitée, là. Oh non, il y en a une autre. Oh non, ils m'en ont mis 50.
Vous êtes des vicieux. D'ailleurs, j'espère que j'ai mon arme. Oula, attention. Voilà. Ah, ça les excite. Hop là. Merde, j'ai loupé mon saut. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Ouais. Ah non! Encore un vomito. Oh là 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 là. Ah, ils sont chiants les vomitos. Heureusement que j'ai eu du premier coup, lui. Je n'aime pas les vomitos. Alors, il va falloir que je tire. Ou alors... Non, je peux envoyer un... Merde, je peux me soigner aussi. Ça y est, j'ai déjà plus comment je faisais pour... Ah oui, comme ça. Et normalement, ce con, il va frapper la bonbonne. Non ? Merde, il l'a loupé. J'ai merdé mon coup. Alors... Voilà. Là, il va faire le con. Boum. J'espère. Non, mais il est con à ce point. Mais non, mais il a contemplé les pétards. Mais qu'est-ce qu'il est... Allez, frappe-moi le bousin. Alors, ça y est, il s'est déverrouillé, là. Il s'est débloqué. Ah. Allez, frappe la bonbonne, abruti. Merde, c'est bien la première fois que j'en ai un qui me résiste. Ah. Non, pas comme ça. Merci. Ah. Merde, ça l'a pas tué. Faut que je fasse gaffe. Oh non, ça va être la nuit. Faut que je me grouille parce que la journée est en train de se passer. Oh là 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 là. Pff, il est pas mort. Non. J'ai la guerre. Violence. Aïe. Non mais je fais pas le poids. Je suis un fragile à côté. Aïe. Lâche-moi. Non. Et j'ai sauté en l'air. J'ai sauté en l'air. Oh, quel cauchemar. Mais quel cauchemar. Mais bon, il a fini de faire son foufou, là. Aïe. Oulalalalalala. Va se calmer, là, l'autre excité de mes deux. Oh, non. Je peux déjà me re-soigner, d'ailleurs. T'as pas suffi, la bonbonne. Casse bonbon de mes... Hein, va mourir. Mais il est increvable, c'est pas possible. Oh, j'ai le temps de tourner la valve, moi, non. Ah non. Non. Aïe. J'ai pas le temps. Aïe. Enfin. Oh. Eh ben, dis donc, j'aurais fait une valve par jour, moi. Parce qu'il faut que je me planque, ça va être la nuit. Bonjour, Poupon. Attends, je cauchemarde ou je me suis fait tabasser? Ou alors il y en a un qui est parvenu à me balancer un projectile, je sais pas. Alors, attendez. Ah, ça va être la nuit, je suis dans la mouise. Au secours. Oui, je sais pas, les trains de la gare, tout ce que tu veux. Ah bah voilà, c'est nous sécuriser. Merci, bonjour. Il en fait une tête. Le pauvre, il est en dépression. Ah. Crane, je suppose.
Crane la superstar. Tu sais ce que je pense ? Que Brecken exagère. Beaucoup. Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais quoi ? Ça me tue que les gens te considèrent comme le meilleur traceur de la tour. C'est moi le meilleur. Moi, Volcan, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Tu vas pouvoir me prouver que t'es plus rapide que moi. Sauf si t'as peur, bien sûr. T'as peur ? Alors, c'est un défi que je ferai plus tard. Là, pour le moment, je ne m'estime pas encore bon, même dans les cabrioles. Mais, un jour, je relèverai le défi, je suis d'accord. Oh là, c'est le nombre de zombies qu'ils ont... Oh, quelle horreur. Bonjour, la Jed. Le Mémorax. Ah, il va falloir me rafraîchir la mémoire, je sais pas qu'est-ce qu'un Mémorax. Toujours les livraisons. Sans offense. Ah ! Mais je te connais, toi ! Ah non, pardon, je confonds. Il avait un air de... Le loustique avec sa maman, là, qui est malheureusement décédée. J'ai oublié son prénom. La 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 la... Ouais, 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 ouais. Oh là là, une tête de dur. Ah, vendeur! T'as quoi à vendre? Ouf, une masse aplatie lourde. Ah ouais, pas mal. Il y a une hachette lourde remarquable. Oh la vache. Tac, tac, tac. Ah, et 4 réparations, hein, la masse aplatie lourde. Mais ouais, c'est pas pour moi les couteaux de cuivre. Petit couteau de désosseur. Eh, hey, à 2000 boules, je l'achète. Ça me va. Câble électrique, ouais, il y en a pas mal. Aérosol, il n'y en a pas tant que ça. Aérosol, je veux bien acheter. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Oh, je peux lui vendre pas mal de trucs. Alors déjà, les objets dont j'ai rien à péter... Bon, voilà, des clubs, 50$. Ah, le reste, je le garde pour faire du... Des combinaisons. Combinaisons. Bref. Faire passer la nuit. C'est là où... Oui, bah non, c'est là. Attendre jusqu'à la nuit. Bah, elle va vite arriver, la nuit, non? 19h40 dans le jeu. C'est 20h la nuit, je crois. Ou 21h, je sais plus. Je crois qu'on est en été, quand même, dans le jeu. Les nuits durent un tiers temps alors que les jours durent 2/3. La 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 la. Référence à mais qui a tué Pamela Rose? Oh, je m'en souviens plus. Oh. Alors bon, je suis en plein remontage de mon HTPC. Eh ben, bon remontage à toi, mon cher Legend. Je suis encore, je sais pas si vous entendez, j'ai mon répondeur téléphonique de ma ligne fixe qui s'est déclenché, j'ai encore le droit à du démarchage. Alors, ils font pas grève. Aïe, 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 aïe. C'est ça, enfin. Tu veux de l'antizine? Le plus simple, c'est d'aller voir Rice. J'aime bien l'antizine, le plus simple, c'est d'aller voir Rice. Je vous lis un petit peu dans le chat en même temps, c'est pour ça que je suis décousu dans mon rythme. Alors attends, il reste une valve qui est là, qui est peut-être la plus accessible sous la passerelle. Oh la vache! Donc c'est pas sûr, mais sous la voie rapide. Le problème, c'est qu'il va faire nuit. Alors, attends. Est-ce que je peux me faire un petit cambriolage histoire de satisfaire ma kleptomanie dans le jeu? Je crois que oui. Ouais, sauf qu'il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Elle m'a vu, la vilaine, elle m'a vu. Oui, tu m'as vu, vilaine. Oui, c'est bien. T'observes... Oh merde, ils sont nombreux. Oh non, ne m'attendais pas autant de monde, moi. Oh merde, boum. Mais non, mais ils vont être 650 contre moi, là.
C'est pas le but. Oh là là, quelle violence, mais quelle violence. Ça y est, ils sont morts. Non. Oh là 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 là. Je vais me faire avoir, je suis en train de me faire coincer là. Puis l'autre, il me fait un sketch par la maman. Mais je vais finir par la voir, lui. Ah, merci. Alors, fouiller. Vous savez ce que vous devez faire. Trouvez l'abri le plus proche et attendez l'aube. Dernier avertissement avant la nuit. Ça veut dire que la nuit, c'est 21h, c'est ça? Ouais, c'est 21h. Merci, Jed. Heureusement qu'on l'a. On dirait une trappe. Ou alors c'est vraiment un aimant de décor qui est tombé ou il y a quelque chose en dessous? Non, non, il y a quelque chose en dessous. Ah mais je suis bête, c'est un garage. C'est pour pouvoir accéder au bas de caisse. C'est logique. Je trouverai rien d'autre de mieux de... Ah, par contre, il y a une partie supérieure. Eh, attends, j'ai pas fait les casiers. Oh, difficile. Ah, 99+. Comme j'en ai des centaines, des crochets. Merde. Bah, en restant entre quatre murs, je pense pas que je vais attirer un... Ouais. Une valve, comme tu dis. Attends, je vous lirai dans le chat après. Homme de main. Ah, c'est une amélioration de... Oh ! Objet de valeur. La boîte est magnifique. Ils l'ont modélisé trop classe. Ouais, dans l'interface là, j'ai pas l'heure en fait. Dans le jeu, hein, je parle. Oh merde. Je vais perdre connement des crochets, vous allez voir. Ah, c'est tout sur le côté, dis donc. Ah ouais. Ah, les salopards, moi qui démarre de la gauche, tout est à droite en fait. Bon, bah voilà, c'est cool. C'est cool. Non, des outils, j'ai pas besoin. Utiliser. R. Oui, poudre à laver, laver le linge, ça me fait penser, demain, il faut pas que j'oublie de lancer une lessive. C'est vrai que j'ai une lessive à programmer avant le week-end. Ah, ouais, il y a l'alarme. C'est la nuit. Il n'y a plus les ultraviolets. Les points comptent double. Bon, il n'y a rien dans cette armoire. Ah, si. Des câbles électriques. Ouais. Ah, j'ai même failli louper le rouleau de ruban adhésif. Et ça ne se refuse pas. Oh, ces vieux téléviseurs tout pourris. Et dire que j'ai connu ça avec de la neige. Fallait se battre avec l'antenne râteau pour avoir une image correcte. Dans les pires des cas, t'avais juste le son, t'étais en mode radio. Vous avez pas connu ça, les jeunes? Ah! C'était presque un sport familial. Celui qui arrivait le plus rapidement possible à régler le... l'image et le son. Alors, je vais retourner au camp de repos. En espérant qu'un loustique ne me mette pas le grappin dessus. Voilà. Ah, t'as connu Torota? Ouais, t'es comme moi, la quarantaine. Yeah, pas mal. Des petits points de survie. Veux-tu que je te donne l'emplacement d'une arme puissante mais un peu fragile? Oh non, merci, c'est gentil. Mais je veux vraiment la totale découverte, Torota.
Le jeu Alien Bridge, trilogie est gratos sur GOG. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci, Thunsen. J'irai le revendiquer tout à l'heure à ma pause déjeuner. Je pense que j'arrêterai pour 13h, d'ici 2h. Tant que je me restaure, d'ailleurs je pense que je vais me faire à manger. Là j'ai pas trop faim. Vu l'heure, c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'il a changé ses offres, le vendeur? Je dirais oui, puisqu'on a changé de jour. Oh la vache, la faucille, quand j'aurai le niveau d'avoir des faucilles, il va y avoir des décapitations. Yalas! Non, ces trucs sont trop chers. Ces trucs sont trop chers. Ah bah, les bijoux. La belle boîte que j'avais ramassée, je lui la revends. Rien que ça, ça vaut le coup. Alors, attends. Voilà, oui, le mec, il est dans le mal. Il est dans le mal. Alors, la deuxième valve. Si je fais une valve de gaz par jour dans le jeu, j'ai pas fini. Je suis le joueur le plus lent du monde. Burp. La 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 la. Je me souviens de cet endroit. J'ai. Ouh. Ah. Il est surpeuplé depuis cet endroit. C'est honteux. Alors, ça se passe sous la voie rapide normalement. Oubliez-moi les zombax. Oh, il y a des champignons mignons. Il y a des champignons mignons. Oh non, il y a un péteur. Ah, c'est quelque part par là. Ah, la v'là, la valve. D'accord, d'accord. Alors, il y a... Ah merde, il y a un dégobilleur. Lumière, là, parce que je vois pas sur qui je tire. Lui, il faut qu'il se barre. Toi, tu vas mourir, père. Ouais. On va arrêter de me les briser. Ah, ah, ah. Oh là 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 là. Oh, la violence. Oh, l'autre. Comment qu'il s'est ramassé? C'est drôle. Aïe. Tiens-moi au jus. Oh non, mais non, mais j'ai un super excité là, arrêtez. Oh là 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 là. Ah oui, HP, HP-le, HP-le. Ça tourne mal. Ah non, pas deux en même temps. Ils mettent deux super excités là. Mais je vais crever moi avec ça. Heureusement qu'il y a des gros tuyaux parce que ça les casse dans leur pattern, on va dire. Aïe, merde, elle me fait mal. Merde, arme inefficace. Oh. Oh. C'est le coup de foudre entre nous. Vilaine! Bon réflexe, hein. Ah, là, non, loupé. Là, elle a pas été douée. Ouch. Bon, bah, j'ai calmé la madame. Oups. C'est sanglant! Bon. Avec un peu de chance. Mais ils font n'importe quoi dans l'escalier, le... Les zombies. Oh, merde, j'ai pas vu, lui. Ou elle, pardon, j'ai pas vu. Le jard de l'individu que ce fût-ce. Violence. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Violence. Non, mais l'autre, il est... Pff. Ah. Alors. Il reste bloqué. Il m'a l'air très con. Il reste bloqué. Allez, allez! Aïe. Ah bah, finalement, il a retrouvé le chemin. Pff. Ridicule. Alors... Oh, attends, il y a une boîte là-bas.
Aïe. Ah, la boîte m'intéresse. Une boîte de quoi? Intermédiaire. Oh, je pense que le temps qu'un zombie essaye de me mettre le grappin dessus, j'aurai le temps de la déverrouiller. À défaut de pouvoir manipuler le contenu. Voilà. Pialoche. Durée limitée, oui. Merci, c'est une scène. Oh, tu balances même le lien, t'es adorable. Merci tout plein. Ouais, je regarderai ça tout à l'heure. Alors... Ouais. Oui, j'allais dire, mets-moi bien le... repère sur la carte pour que je puisse me barrer là où il le faut. Je sais pas si j'ai fait un bon choix, moi, en prenant la voie rapide. Merde, une excité de mes deux. Allez, elle va en découdre. Allez, viens, 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 viens. Oui, t'es la meilleure. Oui, t'es la meilleure. Va mourir. Elle a pas eu son compte. Elle a pas eu son compte. Nickel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour Christella. J'espère que ça va bien. Visiblement, tout le monde présent se porte bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça fait plaisir à lire. Bon. Alors, la troisième valve de gaz. La la la, lila, lila, lilou, lilou, la. Hop là. Petite échelle. Ah merde, il n'y a plus d'échelle, ils l'ont cassé. Waouh, et oh, ça fait haut. Non, je vais descendre un peu plus loin. Je vais pas me briser les os. Moi. Ah. Oh. Il y a des choses à fouiller. Oh oh. Oubliez-moi, monsieur Zombax. Le zombie. Oh non! Encore une excité qui arrive pas à me rejoindre parce que c'est trop haut. Ah si, elle y arrive. Oula, si tu fais un roulé-boulé, ma grande, tu vas faire 100 mètres sur le dos, là. Oui, allez, calme-toi. Oh, joli. Ouais, je me disais bien qu'elle allait profiter que j'ai le dos tourné. C'est ça, fais ton roulé-boulé dans l'herbe. Fais-nous le remake de la petite maison dans la prairie. Hop là. Oh merde. Oh là, là c'est pas bon. Ah, je m'attendais à ce que je m'accroche et pas du tout. Oh là, attends, je peux y aller là? Ah oui, c'est des trucs de quarantaine ça. Bon, la folle, elle est où? Elle est là, la folle. Allez, viens, la folle. Quoi? Oula. Faut que je répare mon arme. Ah merde, c'était la dernière. Alors, le gaz. Marrant, quand je dis le gaz, je pense toujours à la chanson du grand Jacques, Jacques Brel. Une chanson très drôle. Intéressez-vous, si vous connaissez pas, au répertoire de Jacques Brel. Il y a... Même, vraiment, si vous n'êtes pas chanson française, il y a quelques chansons que je vous invite à écouter, ne serait-ce qu'une fois, pour le côté humoristique des chansons. Il y a les Flamands, où il dégueule sur les Flamands, Jacques Brel. Et il est redoutable. Il y a les Remparts de Varsovie. Les Remparts de Varsovie, très drôle. Et le gaz. Le mec qui vient dans un petit appart et qui vient résoudre le problème du gaz, c'est très drôle. C'est des sketchs en chanson, en fait. Ah, c'est intéressant. Je me casse la figure, mais c'est intéressant.
Merde, j'ai un super enragé là qui est dans le coin. Attends. Attends. Faut que je prenne de l'altitude. Mais la question c'est comment. Il peut escalader. Non, il peut pas escalader ça, Crane. Faut arrêter la déconnade. Oh putain, et si je monte par là, je pourrais peut-être. Ah. Mort ou. Ah, on voit le visage qui bouge encore. Vous avez vu? Ah, quelle horreur. Ah, mais c'est horrible. Cette scène, elle est horrible. Ah. On dirait que l'individu essaye de parler. Mais c'est horrible. Ah. Qu'est-ce que cette animation de mort? Allez, boue, on veut plus te voir, au panier. Aïe. Oh, c'est trash. Attends, est-ce que je peux m'agripper au barreau? Oh, mais quel homme! Mais quel athlète! Oh, bah, tu m'étonnes, quelle agilité! Oh, c'est qui ce mec? Non, c'est un. Oh! Oh! Ah ouais. C'est con qu'il y ait les zombies acrobates parce que ça équivaudrait presque à une planque. Mais manque de bol. Non, ouais, il suffit qu'il y ait un excité qui saute de là et puis t'es mort. Ouais. C'est dur, hein, la survie. Ouais, il est 11h11. Enfin, du moins, il était. Sacré fun fan. Oh là, c'est quoi ce bug de la serrure? Et on fait péter les serrures. Pelle. Vous savez, sur un air de Patrick Sébastien. Dans la joie et la bonne humeur. Bonjour, Aran. Oh, oh. Beau paysage. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît. J'ai l'impression que je peux escalader. Aïe! Merde! Oh, il m'a trouvé, lui. Va mourir. Et voilà. Le décapité accoudé. Quelle horreur. Allez, hop. Hop là. Un peu d'escalade. Tu peux le faire. T'es le meilleur. Ouais, bravo Crane. Alors, le coup du gaz, c'était tout en haut. Je pense que la valve est au sommet. Attends, c'est une planque, ça. Ça a été fait délibérément. Ah, parce que je suis dans le territoire de Rice. Ah ouais. Déconne pas. D'accord. Oh la vache. Y a rien qui traîne, hein. Pas un paquet de clopes, hein. Ils ont tout écumé, les salopards. Ils ont même désossé l'arrière du bus. Oh la vache. Les salopards. Non, tu dis que c'est un repère pour la bouffe. Ils te laissent pas un grain de riz. Hein. C'est propre, c'est nickel. Hein. Oh la vache. Dur. Alors. La question est, j'escalade comment ce truc? Je crois pas. Non. Tu peux pas. Ah, il y avait un largage. Oh la vache, on voit le truc au loin. Il y avait un largage. Merde, comment je fais pour atteindre le sommet? Là, il y a moyen? Oh non, c'est beaucoup trop. Faut arrêter la déconnade. Comment je fais pour atteindre l'endroit? Ou alors, c'est dans le tunnel. J'ai peut-être mal lu.
C'est peut-être dans le tunnel. Hop, 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 il s'est pété les deux jambes. Oui, elle a entendu. Bonjour, madame. Voilà. Oula, 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 oubliez-moi, oubliez-moi. Je le fais pas. C'est pas impossible que ce soit dans le tunnel. Alors attends, avant qu'il y ait une émeute. Là. Ah oui, c'est dans le tunnel. Eh ben, je suis pas dans la même merde. Je suis pas dans la merde. Oh lolo lolo, oh lolo. Oh non, mais là, il faut que je retrouve ma touche des Molotov. Ou alors, ils viennent là et j'enflamme avec des pétards la mare de pétrole, là. Mais il faut que vous avanciez, mes amours. J'aurais jamais cru un jour dire ça à des zombies. Allez! Allez, go! Là, je peux. Allez, blam! Voilà! Ouch! Pas mal! C'est efficace! Et lui, je peux pas lui péter la... Ah merde. Ah merde. J'ai un super Zombax. Super Zombax. Super Zombax. Je m'éclate un max. Hop, hop, hop. Alors, il est revenu ou... Bah alors. Oh, le revenant revenu. Putain, il n'y arrive même plus. Laisse tomber. Ouais, non, après, ça va. Il faudra que j'accède à la porte, mais j'ai un super zombie, là, qui est... Oh, magnifique. Hop là. Est-ce que je peux fermer la porte? Non, je suis dans la merde. Cette porte... Oh, oh. Je suis complètement dans la merde. Oh, oh. Donc toi va mourir. Oh là, attention. Bam. Wouh. Ça va attirer des excités. Une en particulier. Oh, je t'électrise, ma grande folle. Bon, bah c'est du tout cuit. J'ai du tout cuit, la la la. Ah là 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 là. Bon, je bois un coup le temps que le zombar aille dans le dans les flammes. C'est ça, madame. Venez vous réchauffer. Allez, les petits cadeaux. Attention aux flammes. Oui, non, là, c'est pas malin. Ah, oh, c'est pas malin. Voilà, j'ai été trop gourmand. Bien fait pour ma gueule. La technique était bonne, hein. Mais j'ai été trop gourmand. J'aurais dû attendre que l'incendie se passe. Aïe, 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 aïe. Bien fait pour ma gueule. Alors, il me fait redémarrer où? Ah oui, ça va, c'est... Oh, c'est beau en plus. Pardon. C'est beau, j'aime bien l'espèce de... Oula, 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 c'est barbelé de partout. Oula là. Burp. Équilibriste. Hop. Aïe, 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 aïe. Et je crois que le pauvre Crane, il s'est émasculé en sautant par-dessus les barbelés. Alors...
Non, il n'y a plus personne. Bon, j'ai perdu l'avantage des gains quand j'avais malheureusement plein de paquets potentiels à ramasser, mais ça c'est bien fait pour ma tronche. Mais il a la délicatesse de me mettre une zone dézombifiée. Ce qui n'est pas désagréable. Bonjour madame. Ouch. Oh, et oh, il y en a du monde. Ah merdoum. Acrotum. Je suis mauvais, hein. Je trouve que ce matin je joue très mal. J'ai l'impression d'être redevenu un débutant. Avec ce vacarme, j'ai pas de poursuivant. Vraiment? Ah si. Si, j'ai une excitée. J'ai une vilaine excitée. Mais... Ah, j'allais dire, jamais elle meurt, l'autre. Oh, merde. C'est bien ma veine. Hop là. Ah, arme brisée. Oh, faut que je change d'arme. Allez, une autre excitée. Allez, viens, ma grande. Allez, Miss Athlète, va mourir. Quoi, où ça? J'entends crier. Et j'entends crier. Ah oui, quand même. Mais non, il pense pas. Il ne pense pas me poursuivre. Bon, bah, c'est pas plus mal. Il ne pense pas me poursuivre. Alors, il y a... En plus, le mec, il est fou. Parce que Crane, je lui fais porter un couteau avec un chalumeau dans un endroit où il y a du gaz. Le mec, il est pas ma boule du tout. Ah, une note. Faudrait que je les dise un de ces jours à l'antenne, les notes. Parce que je me suis jamais amusé à ça. Oh, j'aime pas ce que j'entends. Oh merde. Ils sont sournois, les zombies, ils sont sournois. Oh là là. Faut que je change d'arme là, parce que ça craint. Ah bah ça va. Eh bah dis donc. D'ailleurs, en parlant de changement d'arme, ça va être maintenant ou jamais, puisque j'en ai une qui est pétée. Ouais, celle-là, elle est... je peux la démonter, elle est bousillée. Ouais. Le reste, ça va. Mmh. Ouais, celle-là, je peux déjà la réparer. Va. Laisse tomber. Là, ouais, la batte composite. Ah, sympa, il m'a pas compté la réparation. J'ai un petit bonus pendant ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Petit couteau des osseurs. Alors, je dis volontiers, mais j'aimerais me fabriquer un truc, du coup. Un taser. Bon, j'avais déjà. Briquet. Alors, le choix de la... C'est horrible, mais c'est ça. Le choix de la torture. Alors, je les fais saigner, je les électrocute, je les empoisonne, je les crame. Allez. Voilà. Et épée qui pue, c'est violent, hein. Allez, une petite épée qui puire. La petite épée qui puire. Le petit couteau des osseurs qui fait bien mal. Est-ce que je peux l'améliorer? Oui. Plus de dégâts. Oh la vache, le roi. Résistance, maniabilité, dégâts. Faut le faire dès le début, je suis d'accord. Ou sinon, plus de dégâts. Allez, une totale, je confirme. On se met un super couteau qui... La violence. Ils sont sur moi et sur toi. Oui, c'est ça, Christella. Et encore, t'as pas tout vu. Oui, alors doucement, Torota, s'il te plaît. Je sais, j'ai compris. C'est que les préliminaires, mais hein, bon, voilà. Hein? Toudou. Merci. La, 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 la. Mais j'adore, hein, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Ça fait un excellent défouloir au niveau des zombies. Elle. Bon.
Ah, la principale vanne de distribution. Gare. Elle est je sais pas où en ville, la principale vanne. Comment ça... L'autre qui se roule sur le capot de la bagnole. Alors, la vanne principale, elle est là-bas. Là-bas. Tidada. Coucou. Merde. Oh, cette violence. Oh, dans l'entrejambe. C'est indécent. Oui. Oh, je savais que Rennes allait réussir à faire cette jolie pirouette acrobatique. Aïe. Oh, joli. Il a mis le pied sur le barreau. Ah ouais, attends, j'ai un super excité là. Il est pour moi. Ou pas. Non, bah le super excité, il est pas motivé. Il est pas motivé. Yeah. Il est pas motivé. Alors attends, que je lise bien la carte parce que... Non, c'est bien un truc en plein air. Ce qui me rassure déjà d'une certaine manière. Oh, et fourgon de la police, il y a toujours un truc... Il n'y a personne. Ah si, il y a du monde. Si, il y a du monde. Ce sera pas cadeau. Oh non, mais non, mais d'où elle sort, elle? Elle sort du tunnel, à mon avis. Eh merde, j'ai attiré les super excités. Non. Au secours. La super excité, je la sens pas du tout, là. Ah ouais, ils escaladent bien. Oui, je sais que t'es là. Je sais que tu vas en découdre. Allez, viens. Va mourir. Elle est morte. Oh oh. Eh, c'est que je suis en train de me faire cerner, moi. Je suis en train de me faire cerner. Hop, 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 hop. Zombie de feu, là, qui a voulu me faire un bisou. Non, la Saint-Valentin s'est passé. Oui, aïe. What the fuck? Mais ça va pas, non? Oh! Oh! Oulala! Yalas! Ça devient drôle! Lui, je m'en méfie. Ouch, aïe. Oui, fais bobo! Bon. Alors, j'aurai le temps d'oublier le parcours de Christella. Ah oui. Oui, vu le temps que je mets au niveau le scénario. Oh non. Mais ils vont mettre deux. Mais arrêtez, j'ai pas mérité ça, moi. Oh là 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 là. Mais non, mais je vais me faire démonter, là. Alors, heureusement qu'il n'y en a qu'un qui m'a dans le radar. Alors, l'excité, tu viens, là? Aïe. Ah. Ouais, bref. Ouch. Coloris de bagnole, vraiment vieillot, hein, le vert Burke. Alors, anecdote historique, pour ceux qui la connaissent pas, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand vous achetez une voiture les deux mois sortis de la guerre, donc en 46-47, et même en 45 de facto, enfin, encore qu'il fallait laisser le temps que l'industrie française se remette en état de marche normale hors guerre. Quand vous achetiez une voiture, vous étiez condamné à pas avoir le choix de la couleur. Pourquoi? C'était pour des raisons d'économie d'économie, parce que c'était un trésor de guerre. On avait...
pris aux Allemands leur stock de peinture. Or, la couleur, entre guillemets, je dis ironiquement à la mode, était le vert kaki, puisque c'était le camouflage militaire. Et les deux premières années, vous aviez obligatoirement une bagnole qui était verte, à peu près de la couleur qu'on a vue là, qui est pas super joyeuse. Il y a une bestiole avec moi. Hop, je l'ai pas vu. Je vais me faire exploser. Je vais me faire exploser. Oh là là, ça craint. Mais oh, je suis en train de m'encastrer dans le. Ah, mais je suis encastré dans le. Ah, ah, ah. Alors lui, il faut que je le neutralise d'office, là, monsieur Globito dégueulis, là. Merde au moins. Ah, dégueulasse. C'est répugnant. Oh, il me l'a pondu sur le rebord. Ils sont dégueulis. Oh, la vache. Ah, d'accord. Oh, il y a des soldats de Rice. Attendez, je vais attirer la cavalcade sur eux. Salut. Ah, la bonne blague. C'est drôle. Ah, ah, pour une fois que c'est pas moi la cible. Merde, je suis dans le van. C'est pas le bon plan, ça. C'est quoi, ça? Bon, c'est la mouise. On se le dise. Ah bah c'est bien, il y a les gars de Rice qui m'aident. Comment faire diversion? Ah non, il y a encore Vomito. Non mais va mourir, toi faut que tu meurs, toi. L'infâme Vomito. Ah merde, mon armée reconnue comme étant inefficace. Tout va bien. Non, 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 non. Oh la vache, l'endurance que ça demande. Non mais je vais crever là. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Mais, putain, comment qu'il a esquivé, j'ai pas pu le planter l'autre. Violence, violence. Violence. Ouais, chacun fait son parcours. Ouais, ouais. Mmh. Oui, ce sera la même fin obligatoirement. Encore que. Oh, bah non, mais t'as pas fini la suite, Christella. T'as pas fini le The Following. Parce que j'ai une information que t'as peut-être pas. Alors, il faut pas que je te divulgâche le. Ah merde! Eh oui, c'est le truc qui est souterrain! Oh la merde! Ah, la mouise! Et le tuyau est par là-bas, ok. Ah, merde. Idem! Ah mais non, mais je peux pas avoir de bouteille de gaz! Ah, je suis deg! Je peux pas avoir de bouteille de gaz puisque le truc est grillagé. C'est fait exprès, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et merde. Santé, oui, c'est ça. Si, si, tu l'as fini, ah, d'accord. Alors, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ont peur d'être divulgâchés. J'avais vu à la sortie du jeu, il y avait une vidéo qui circulait sur Internet. Alors, Internet, faut toujours se méfier. Est-ce vrai? Est-ce un faux? Il y aurait une fin alternative
Parce que la fin, normalement, vous rencontrez la femme du général qui était à la base du projet qui a mal tourné et la zombification a eu lieu. Bref. Mais il existe une fin planquée dans une fourgonnette qui est au bord d'une rivière. Dans cette fourgonnette, il y a une mallette militaire qui contient, en fait, c'est une bombe atomique. La grosse mallette, et vous pouvez la déclencher et provoquer une fin alternative, si ma mémoire me trahit pas, dans The Following. Il faut suivre la rivière. Moi j'essaierai de faire ça quand j'y jouerai. Je crois qu'il faut prendre soin de déverrouiller la camionnette. Quand vous êtes dans le fourgon, vous avez la valisette atomique. Et il y a peut-être une condition, il y a peut-être un code en fait à connaître, une combinaison pour la déclencher. Et vous pouvez faire boum à ce moment-là. Mais c'est une fin spéciale normalement. Voilà, vous pouvez vous déboucher les oreilles. Ouais, je peux réparer l'arme. Oh là 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 là, je les aime pas, je les aime pas. Ou alors, attendez, j'ai combien de munitions? Autant tester. Fusil militaire. Ah ouais! Ah ouais! J'ai quand même des munitions. Une balle en pleine tête, ça devrait faire effet, non? M'en fous, on est en milieu fermé, donc ils peuvent pas venir. Like a professional. Comme un professionnel. Voilà! Ce que j'appelle deux balles de flingue très bien rentabilisées. Magnifique. Le problème est réglé. Ah, je me sens mieux. Oh, ils sont nombreux. Vous pouvez pas m'atteindre. D'ailleurs, lui, s'il me tourne le dos, je serais tenté de tirer une petite balle dans sa bobonne et ce serait... Oh, 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 il y aurait moyen. Oh, il y aurait moyen. Rien que pour rigoler. Enfin bon, bref. Allez. Épreuve de force. Oh, ish! Oh, ish! Oui, santé, merci. Oh, c'est mon café au lait, Torota. C'était pas prévu. J'ai ouvert les vannes de répartition et celles de distribution. Ah, et les conduites de délestage. De quoi? Par les peu de ma sœur, mais je dois tout te dire. Il faut que tu fermes toutes les soupapes du circuit bleu pour qu'on garde la pression. Ah. Dépêche-toi, on va larguer plus de gaz dans l'atmosphère que grand-mère à Noël. Ça parle mal. Ça parle mal. J'avoue que ça craint. Au moins je suis... Oh merde, c'est tellement haut que je peux pas... Oh merde. Bon bah c'est reparti pour un petit peu de loulou. Fermer les vannes du circuit bleu. Oh là 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 là. Ce boxon. Surtout, bois pas la tasse, Crane, sinon t'auras la plus atroce de toutes les morts. Ah, je suis trempé, je vois plus rien, au secours. Alors, oh, un avion. Comme un avion changel. La 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 la, il a largué, je sais pas quoi. Merde, aïe. Alors, les valves bleues. On peut le dire, c'est chaud. Ah non, pas lui.
Comment ça? Mais non. Attends, je ne comprends plus. Non mais vire-moi le... Voilà. Parce que mon repère là, il me rendait fou. Les valves du circuit bleu. Alors le circuit bleu démarre ici. Ok. Putain, mais il faut les voir les valves. Avec tout ce peuple. La 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 la. Oui, il pète le feu, tu m'étonnes. Alors attends, j'ai loupé une valve là ou quoi? Ah oui, j'ai loupé une valve. Alors comment faire? Oh oh. Allez, grouille avant que la cavalcade arrive. Oh, trop tard. Merde. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Non, je veux récolter mon dû. J'avais du matos. Ah ouais. On m'en parlait pas. Oh là là, excité lui. On va se calmer, monsieur, de suite. Pas parce que le gaz est revenu qu'il faut agir de la sorte. Oh. Ah là 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 là. Au secours. Ah oui, non mais c'est la merde totale. Oh. Aïe. Mais ils font mal. Assassin. Alors, elle est où la valve? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Avec un peu de chance. Hop là. Voilà. De toute façon, avec toutes les flammes qu'il y a, ils peuvent pas m'enquiquiner. Alors... Oh oh. Aïe. Gros vilain. Oh. Qui s'est basé? Aïe. Petit soin. Allez, chiki boom. Ah non, j'ai... Oui, hop là. Ah, voilà, qu'on rigole un peu. Circuit bleu, les valves, circuit bleu. Oui, je t'ai vu, ma grande. Mais bien sûr. Ah, bien. Là, j'ai rien dit. Allez, t'as gagné encore un tour. Vas-y, allez, fais-nous rigoler. Bah, tant qu'il n'y en a qu'une, je fais le mariole. Hein. Il y en aurait deux, je ferais déjà beaucoup moins le malin. Oh, bien. Burp. Et si je changeais d'arme? La petite batte. Allez, la petite batte de baseball. Burp. La. Oui, j'ai des points de compétences pas utilisés. Oui, je sais. Alors, tiens, il y en a un qui est en feu. Alors, quand je me serai débarrassé de lui, est-ce qu'ils peuvent se cramer ou pas? Ah. Ça va être délicat. Mon avis, il serait bon que j'ai un molotov là. Bon, l'excité, il faudrait vraiment que je me débarrasse de l'excité parce que ça va mal se finir. Voilà. Là déjà, je me sens mieux. Qu'est-ce que je fais? Je m'en débarrasse un à un ou... Peut-être jouable. Strike. J'ai fait une streak. Alors, messieurs, dames. Ouch. Oh. Yalas. Oh, les vilains zombies. Beau. Oh, si. Oh, c'est maîtrisé, la Jed. Ça va. Là, on a le chauffage offert pour la journée, vu ce qui sort des tuyaux.
pas. Bah. Oula. Oui, rêve, discothèque, là, en train de danser, merveilleux, à fond dedans. Allez, il est mouru. Non. Voilà, là, il est mouru. Oh non, j'ai un super excité encore. Oh là là. Aïe. C'est vrai qu'il y a du peuple. Hein. Oh, je peux vraiment pas reprendre mes cocktails Molotov, moi. Parce que c'est les pétards que j'ai en équipement, mais... Attends. À récupérer. Ah, oh, les notes. Ouais, un jour je les lirai. Pas maintenant, mais... ouais, sélectionner. Avec les pétards, j'inverse. Ah oui, tiens, je peux faire comme ça. Ah, oh, bah ça m'arrange. Hop là. Hop. Voilà. Magnifique. Magnifique. Putain, mais il y en a encore qui arrivent, mais c'est pas possible. Allez, je plante tout ça. Quelle horreur. Mais quelle vision de cauchemar. Oh, oh, oh. Et merde. Oh, me retrouve encore avec un excité. Oh, allez, flambe. Ah oui, des points de compétence pas utilisés. Tant que je suis là. Eh, faut que je fasse gaffe, la nuit va bientôt arriver. Agilité. Ah oui, c'était magnifique ce que j'avais fait au début. Propose quoi? Tacle. Frappez vos ennemis du coude pendant le free run. Retour de manivelle. Utilisez des armes de jet ou la torche UV tout en regardant derrière vous pendant un sprint. Ouais, quand t'as des poursuivants. Grappin. Utilisez l'attaque des ennemis pour le propulser au loin, à charge, blablabla. Ça peut être sympa, mais j'ai pas encore le grappin. Alors, Castibia. Portez un coup de pied pendant une glissade pour à effet de casser les jambes de l'ennemi. Étourdis les ennemis par-dessus lesquels vous avez sauté. L'étourdissement dure 5 secondes. Oui, ça, ça me plaît bien. Je valide. De toute façon, à terme, je pense que vu la lenteur avec laquelle je fais le jet, je finirai par avoir tous les points de compétence. J'ai bon espoir de tout déverrouiller. Comme je boude pas mon plaisir à faire ce jeu. Bon, quand l'ince... Mais non, mais à chaque fois il m'en remet un, mais faut arrêter. Oh là 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 là. Évidemment, l'autre excité va me rejoindre quand l'incendie aura plus lieu. Non, il m'en met deux. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais... Mais il m'en met... Mais il m'en met 50. Mais non, mais... Mais c'est triché, là. Il y a de la triche. Non, objection, monsieur l'arbitre, là. Non, mais vous abusez. C'est complètement abusé. Bon, au moins, je l'ai eu, mais... C'est complètement pété. Je me retrouve avec 3 super excités. Allez, viens. Te fais pas attendre. Il y a ma caquine, mes deux, là. Allez. Oh, 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 oh. Ah, reste pas planté, là. Burp. Allez, je vais faire le coup de la valve parce que demain j'y suis encore. Tant que il me remet pas un super excité. Oh bah non, j'ai un zombie. Attendez, madame. Merci, madame. C'est bon. Vous aurez. Revenez ici au pas de course, soldat. À vos ordres, madame. Vous aurez le droit. Eh, c'est pas la marine ici. T'as intérêt à dessouler le pichard. Traitement de faveur. Voilà, du coup, ils m'ont coupé la chic avec leur échange radio. Oh, la belle récolte. Oh, la belle récolte. Oh, c'est mérité. Ouh là 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 là. Récompense pour un fin stratège. Moi, je dis, c'est ça. Oui, à moi tout le matos. Je vais écumer toute la ville. Oh là là. Oh là là.
Oh, je me douche dans le matos. C'est Bao. Non, calmos les zombies. Alors, là, il y en a encore. J'ai l'impression presque de chercher les œufs de Pâques. Étant gamin. Il y a un peu l'effet là. Oula, 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 oula. Là, je suis coincé, là. Alors, des armes. Sont-elles bien? Ah, tuyau de gaz. J'ai pas mal de bons matos en réserve. Je vais arrêter la collectionnite. Oui, oui, y a pas de souci. D'ailleurs, bon appétit pour ceux qui commencent à faire leur popote, voire qui sont déjà passés à table. Bon appétit. Merde, mon arme est inutile. Là. Je suis dans la mouise. Bah alors. Eh ben dis donc. Wouah. Touk. Je réfléchis. Ah oui, c'est ça qui est pété. Alors, réparer. Oui. Oh, magnifique, il me l'a pas compté. J'ai l'impression qu'il me le compte moins quand je fais réparation depuis le menu. Et pas à chaud. Pour le moment... C'est ce que j'ai eu. Bon, faut pas que je traîne parce que le crépuscule qui va s'installer là sous peu. Crépuscule qui va s'installer sous peu. Je pense pas que passer par la voie rapide soit une bonne idée. Merde, j'entends la respiration des scientifiques là. Le train-train quotidien, pas une mauvaise idée. On a vu que la voie ferrée était une bonne solution pour progresser. Le train-train quotidien. Il y a quand même du peuple sur la voie, j'aurais pas dire, mais. Wouh! People! Non, mais ils m'ont déjà chopé! Oh! Je pensais passer discretos, mon œil, oui. Alors, la baraque de l'intéressé est par là-bas. Le problème, c'est que... Il y a le zombie là qui m'enquiquine. C'est ça, descend à quai. Hop là. Hop, 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 hop. Non ! Mais... Oh, je pensais qu'il est monté, Crane. Tu peux le faire. Merci. Tu peux... Oula. Ah, ah, je peux même rigoler avec vous. Je peux même rigoler, rigoler. Voilà, j'en ai eu un. Un streak. Ah, alors, le mec est pas très loin. Si, le mec est loin. Attends, il est où le gars? Le problème, c'est qu'il va faire nuit. Dans 2 heures, it's the night. Putain, mais le mec, il est juste à côté de moi. Non, mais ça va, je vais l'atteindre, le gars. Il est quoi? Il est dans la baraque à côté? Hop là! Non. Il est... Ah, dans le trépassed will be shout. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Coucou, je suis là! Allez, saute sur la camionnette. Hop! Oh, oh là, oh là, oh là, oh, oh, oh oui, oh, oh non, oh non, 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 il y a des barbelés. Aïe, 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 aïe. Ouh. Ouf. Alors, le général de mes deux, là. Aïe, alors que je suis en train de me planter. Mon général. Allez, je vais au stick. Bravo, soldat. Ouvrir l'alimentation principale. Et tu vas avoir droit à une démonstration de combustion contrôlée. Je crois que je vais regarder ça d'assez loin. Si tu veux, je te laisse 10 secondes. Ah. À distance, d'accord. Eh, hey, on a dit 10 secondes. On a dit 10 secondes. Non mais merde. Non. Ah. Au secours.
Qu'est-ce qu'il fait? Attire les flammes du mur de l'apocalypse. Ouais. Magnifique. C'était quoi ce bordel? J'ai retrouvé Jeff et le gaz est rétabli. Je t'avais dit qu'il était irremplaçable. Ah, tu m'étonnes. Je crois qu'il va quand même falloir le remplacer. Excellent. Ah, c'est drôle. J'ai bien aimé la vanne. Excellent. Aïe, 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 aïe. Bon. Du coup, j'ai gagné une planque, c'est ça, ou pas? Oh, le bordel. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ah oui, ok! Bon, bah, adieu, Jeff. Aïe. Ici Jade. Il fera nuit dans environ une heure. Alors, quoi que vous fassiez... Ah merde, je suis en flamme. Et rentrez vite à la tour. Non, au secours, je suis en flamme. Oh, puis je suis tombé dans un truc où il y a des barbelés. Ah! Hop là! Oh, je suis en train de bousiller tous mes kits de soins. Ah! Il y a moyen que je puisse passer du niveau. Oh l'autre! Le troll! Pourquoi je t'ai pas entendu? Pourquoi j'ai pas entendu la voix de synthèse? J'aurais dû l'entendre, c'est trop bizarre. Bon, moi je suis dans la mouise là, parce qu'il va faire nuit, je fais mon mariole, et ça va me coûter très cher. Il y a une planque pas très loin. Ouch. Putain, le mec qui arrive à éviter les... Non, toi tu descends, toi. Oh la vache. Ah, cool. Oui, c'est bizarre que vous ayez pas les sons. Oui, tu fais bien de faire le test, parce que moi j'ai pas de retour de son des sons de la voix de synthèse. J'entends ma voix en double et j'entends le jeu, mais je pense qu'il y a un bug au niveau du son. Mon truc a pas démarré comme il aurait dû, quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Bah oui. Alors des fois pour avoir les sons, j'ouvre la fenêtre de... Ouais, non mais elle s'est pas initialisée. Oh non, j'ai un Yamakaki athlète zombifié là qui me poursuit. Mais oui, t'as réussi, je te vois venir, allez viens. Va mourir. Bon, je suis dans la mouise, qu'on se le dise. Oh. Toi de la camionnette. Oh. Joli. Eh ben, je vais passer la nuit là-dedans, moi, ça me va très bien. Non, il n'y a rien à fouiller. Oh, quoi? Ah, un gourdin à clous. J'en veux pas, du gourdin à clous. Oh, statue. Oh, les salauds. Elle était planquée dans le meuble. Oh, la vache, faut avoir le coup d'œil. Ah, il carbure à la pizza et aux biscuits. C'est pas très sain pour l'organisme, ça. Enfin, bon. Quand t'es en mode survie, tu choisis pas. Alors, le matos. Gérons le matos. Oui, messieurs, dames, j'ai du matos. Massette. Je vais la ranger, la massette. La massette mazette. Ah, il y a le liquide inflammable et conducteur. Ouais, c'est pas la même chose, c'est vrai. On va dire que Wisebot travaille que le week-end. Attendez, je vais bouger pour. C'est pas pour le temps que ça me demande le fait de mettre le Wisebot. Ah ouais, il s'est. Bah, je l'avais lancé tout à l'heure. Ou alors j'ai désactivé accidentellement. Attends, bouge pas. Voilà, le Schmilblick s'est relancé. Normalement, c'est bon. Voilà, là, ça devrait fonctionner.
Ça a dû être une mauvaise manip de ma part. Je suis désolé. J'ai dû le désactiver par inadvertance. Alors, caisse humanitaire, ouais, je vais la ranger. Ah oui, il faudra que je fasse le coup de la des caisses là. Il faut que j'aille voir le gars dans la tour. Et il paraît que j'aurai des belles récompenses parce que j'en ai une tripotée. Hein. Oh, j'ai pas changé de tenue, je crois. Oh, il va se faire tout beau. Un torero, allez, le torero. Alors, ramasser la carte sur laquelle une zone a été marquée. Comment ça, traceur jaloux? What? Quoi? Attends, la quête me rend fou. Valkan est un des traceurs. Ah oui, d'accord. Oui, c'est l'objectif. Le premier qui ramasse le truc a gagné. Oui, bah je le ferai un autre jour. Attends, c'est quoi la quête histoire? Il y a le pacte avec Kreis, rapporter l'antizine à la tour. Eh ben, on va faire ça. Je vais essayer de faire ça avant 13h. Voilà, parce que sinon, je ne m'y retrouve plus. Attendre jusqu'à la nuit. Elle va pas tarder, la nuit. Elle arrive dans 40 minutes virtuelles, la nuit. Compétences, tout est bon. Les plans. J'en ai pas mal, des plans. C'est cool là, c'est cool. Cocktail Molotov, est-ce que je peux en refaire? Ouais, un petit peu, ouais. Ah, des cordes, il faut que je pense à acheter des cordes. Il faut que j'essaye de mémoriser les recettes. Ah, ouais, plastique aussi pour les pétards. Des pétards, je vais bientôt arriver à court de pétards. Hein. Faut que je fasse gaffe en faisant le foufou là. Parce que si stratégiquement je me retrouve à poil sans matos, ça craint du boudin. Hein. Tu le payes cash dans le jeu. Hein. C'est bien foutu. Ah, c'est horrible de les voir errer. Les zombies. Bon. Alors, bah, escalade, Nénuche. Alors, il est où? Ah, il est là-bas, mon immeuble. Je prépare déjà la carte pour le lendemain. Ouais, point de navigation, c'est là-bas. Là-bas, ti-da-di-da-di-douda. Ok. On va faire ça pour le lendemain. Bon, je pense que j'ai rien à ramasser. Oh, le gourdin clou, je m'en fous. Ou alors, je le ramasse et je le range dans le sac. Allez, on va faire ça. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Allez, le gourdin à clous, je le range. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Il y avait quoi d'autre que je voulais regarder dans ma planque? Je sais plus. Je suis perdu. Je pourrais recevoir du monde hein, à la planque, c'est sympa comme petit parc. Petit parc d'intérieur aménagé. Non, il n'y a rien d'autre d'intéressant. C'est sans plus. Quoi? Ramasser la prime. Ah oui, c'est les trucs bonus. Tenue proie. Oui, ça aussi, il faudra que je m'amuse prochainement. Prochainement, dans tes dents. J'ai bien tout ramassé. Je me méfie parce qu'après le coup de la statue planquée dans le meuble... Hmm, c'est-à-dire, il serait capable de nous la faire deux fois. Ah là là. Alors, attends. Attendre jusqu'à la nuit. Et passer la nuit. Un sage à court de pétards, c'est un comble. N'en parle pas. Une heure plus tard. Blablabla. Allez. On va rejoindre la tour. Il est l'heure de se lever. Tagadagadigidoudé. C'est encore une belle journée. Des zombies à biffer. Ouais. Oh. Ah, je me souvenais plus que la partie-là était ouverte. Coucou. J'ai fait mon équilibriste. Oh, bien. 85 cocktails Molotov.
Les molotov. Alors, faut que j'aille par là-bas. Mes risques et périls. Le coffre. Oui, il n'est pas ouvert ce coffre. Ah, produit domestique. J'ai le bras long. Ah, ah. Ouais, faut que j'aille en face. Oh, calmos. Vamonos, vamonos. Allez, tout doux. Ah, les zones de sécurité. Il y a du monde. Ah oui, il y a un marchand ici. Il y a un marchand, ça peut me plaire. Bonjour, mademoiselle. Wow. Vous travaillez avec elle, pas vrai? Pardon? Travaillez avec qui? Jade Aldemir, le scorpion. Ah. Bon sang, elle est trop géniale. Elle, oui. C'est pour elle que je suis venue à Aran. Et sérieux? Pour voir Jade? Waouh! Vous l'appelez par son prénom? C'est... waouh! Je deviendrais dingue! Mais, ouais, elle devait participer au grand jeu, vous savez? Ah, oui. Je savais pas. Ouais, elle est trop forte en kickboxing. On disait d'elle que c'était Kung Li en version féminine. C'est grâce à elle que j'ai commencé l'entraînement. Vous voyez? Je voulais être comme elle. Et puis, mon père nous a acheté des tickets pour les jeux, à ma sœur et moi, comme cadeau pour mon diplôme. Et on est venu. Ma sœur... Juste après, les sirènes se sont déclenchées et les soldats sont arrivés dans les rues. On essayait de trouver un abri et elle a trébuché. Je m'en suis rendu compte qu'après quelques secondes, parce que je continuais à courir et qu'elle n'a pas fait de bruit, ça lui a coupé la respiration. Et puis j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. Je me suis retournée. Ils étaient tout autour d'elle. Je ne pouvais même plus la voir à cause de tous les mordeurs. Mais depuis, je me demande ce que le scorpion aurait fait. Et... j'essaie d'être courageuse. Quand vous la reverrez, vous pourriez lui dire qu'une de ses plus grandes fans lui dit coucou. Je le ferai, pas de problème. D'ailleurs, avec un peu de chance, vous pourrez presque organiser une rencontre. Mais c'est bien, en plus, si c'était en récompense de son diplôme, elle a tout pour elle. Elle a une tête bien faite, et si en plus elle s'entretient pour faire des arts martiaux, elle devrait survivre, la demoiselle. Elle devrait survivre. Bon, monsieur le marchand. Monsieur le marchand, vous m'intéressez. Alors. Oula, trop cher. Merde, j'ai plus retenu. J'avais dit des cordes, il faut que j'achète des cordes pour faire les cocktails Molotov. Oh, plan liquide conducteur. Cool. J'achète. Des piles, ouais, j'en trouve pas tant que ça. Lame, j'en trouve beaucoup. Boîte de conserve, j'en trouve. Aérosol, pourquoi pas. Ouais. Je peux peut-être lui vendre des trucs, non? Non, bah non, j'ai tout rangé dans mon sac. C'est pas grave. Je serais pas venu pour rien. Alors. Allez, hop là. Yes. Ouais, je peux faire mon Yamakaki jusqu'à l'appart, je pense, en face, là. Oula. Équilibriste, le coup de la poule. Oh, attends. Il y a un véhicule qui m'intéresserait là. Eh oh, toi tu te calmes déjà. Toi t'en vas te calmer toi. Ouh, tension à la bonbonne à côté. Voilà. Parce que si j'active la bonbonne, ça va pas le faire. Non. Oh, il y a personne dans le quartier. C'est incroyable. Ah merde, il y a rien dans la bagnole. Dommage. Ah, c'est l'ancienne pharmacie, tu m'étonnes. Allez, tu peux le faire. Je sais que tu peux. Que tu peux pas. Faut pas déconner. Ah oh bah, je suis déçu. Je croyais que t'étais Iron Man. Iron Man. Allez, en duel. Oh, le con. Ah, ridicule. Alors. Non, je peux. Non, j'allais dire. J'aurais été surpris de parvenir à ouvrir la porte. Le contraire m'aurait. Ah, j'ai peut-être une petite trousse de soins cadeau. Oh, ça se refuse pas. Allez. Mais oui, la petite trousse de soins. Ça fait plaise. Alors, comment je monte? Est-ce qu'il peut s'accrocher à l'étage? Non, c'est trop haut.
c'est trop. Par contre, les barreaux. Ah merde, c'est tentant. Essayer de la faire en décalé. Oh. Oui. Non. J'aurais. L'autre, franchement, il est dans une posture ridicule. Ridicule. Ouais, mais là, il y a la clim. La clim va me stopper net dans mon élan. La clim va me stopper net dans mon élan. Ça va pas. Attends. Ouais. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Oh, par le toit opposé. Ouais, non. C'est vraiment bien barricadé. Allez, je vais pas m'acharner sur un non-objectif, ce serait débile de ma part. Hop là. Hop. Merde. Oh. M'attendez pas à trébucher. De joli, il l'a fait. Il l'a fait. La 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 la, il l'a fait. Quel athlète. Bonjour madame. Y a pas du matos sur ce toit? Cette terrasse surélevée là. Non, il n'y a pas de. Juste une bonbonne. Oh. Je suis déception. Je t'ai vu. Allez, viens le super excité. Viens, 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 viens. Viens. Viens que je te charcute. Violence. Violence. Il va tomber. Moi je dis il va tomber. Son point de gravité est en train de basculer. Ah non. Bop. Petit coup de main. Non. Oh, je suis déception. Allez, go. Merde, j'ai l'impression qu'il y a un autre excité. Ouais, ça va. Oh, je peux rester dans la rue, là. Il n'y a pas grand monde. Ah oui, il y a juste un camp. Non, deux clampins. Deux clampins. Enfin, il finit par en avoir beaucoup. Oh oh, il va faire pouf. Je rigole à chaque fois qu'il y a la détonation. Ce qui déclenche évidemment des excités. Mais en même temps, faut se l'avouer, c'est drôle. Il va le faire. Oh, quel homme. Quel homme, quel homme. Attends, 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 il n'y a rien au-dessus là. Non, il n'y a rien. Oh, je suis déception. Attends, c'est quoi ça? Drapeau. Oh. Alors, c'est la première fois que je récupère un drapeau. C'est un trophée en soi. Oh, et oh, il y en a combien, là, des excités, là? Oh là là, ils m'en mettent de plus en plus. Calmos. Oh là là. Voilà, j'ai excité tout le quartier. C'est bon, j'ai gagné. Comme tu dis. Au suivant. Au suivant. Oui, je t'ai vu. Allez, viens. Oh, le con. Oui, allez, viens. Je t'ai vu aussi. Viens, ma grande. Allez, quick. Oh. Oh. N'importe quoi. Oh là. Mais elle est en train de me faire mal, hein. Vilaine. T'as un autre comment qu'il est tombé sur le balcon et s'est pété le crâne contre la rambarde. Bien fait. Bon, je refuse pas des petits soins là parce que je suis mis dans le mal avec mes idioties. Alors. Là, il n'y a pas d'entrée. Ah non, c'est barricadé. Oui, tu m'étonnes. Au contraire, m'aurait surpris. Hop là. Pas cool les flammes. Ah, la poutre. Excellent exercice en gymnastique. Merci. C'était la poutre. Allez, on y est presque. Oups. Merdoum. Ouais, non, bah non, oui, non, c'est bon.
Là, je pense plus qu'ils viendront nous kikiner. Hop là, le fait d'atterrir dans les escaliers est pas très malin. C'est comme ça qu'on se pète au minimum une cheville. Mais bon. Ah, de retour au bercail. Shang va y avoir des dialogues. Ça fait un petit moment que j'aurais pas fait la causette. Salut les gars. Hey, tu vois cette maison avec la fumée rouge? Si les gars de Raïs la repèrent, ils vont frapper à sa porte. Quelqu'un doit prévenir ses occupants. J'ai pas mal de soucis en ce moment, mais je vais y réfléchir. Ouais, j'ai mon pauvre Blake. Ça me fait beaucoup de quêtes secondaires à honorer. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Jafar, pas vrai? Le gars du garage. Il cherche un bon traceur. Pourquoi faire? Il ne voulait pas en parler sur la radio. Je pense que c'est important. D'accord. Ah, tu m'étonnes, c'est important. Alors, lui, il a des canaux. Oh, il est adorable. Une matraque. Je lui avais manqué, c'est pas possible. C'est vrai que je joue pas du bouclier. Je pense que j'ai tort de pas m'exercer au bouclier. Pas d'objet. Ouais. Il faudrait que je prenne mes caisses sur moi humanitaires, que je les balance toutes. Rice récupère toujours tout. Ah oui, ça pour récupérer tout. Messager, c'est qui ce mec? Attends, je vais te regarder à la lumière, mon gars. Qu'est-ce que tu veux, Monsieur Crane? Ah bah non. Connaissez-vous un homme qui s'appelle Volkan Yassivdal? Volkan Dal? Bien sûr. C'est le patron de Volkan Petrol Engineering, l'homme le plus riche d'Aran. C'est exact. Et Monsieur Dal a besoin de vos services. Je savais pas qu'il était encore en ville. La plupart de ses employés ont été évacués. Mais ses deux ingénieurs en chef sont toujours ici, dans le bidonville. Tolga et Fatin. Ils travaillent sur un projet spécial. C'est hautement confidentiel et je crains de ne pouvoir en dire plus. Mais je peux vous assurer que c'est d'une importance capitale. Alors je chercherai pas à en savoir plus. Les deux frères sont de brillants ingénieurs. Mais ils sont aussi quelque peu spéciaux. Ajoutez à cela les conditions problématiques de l'environnement actuel, et vous comprendrez qu'ils ont pris du retard. Monsieur Dal voudrait que vous l'aidiez à remettre le projet sur les rails. Vous recevrez une généreuse compensation, bien évidemment. En faisant quoi? Ce qu'ils vous demandent. Ils n'auront besoin de vous que de temps en temps, et vos missions ne seront que de courte durée. Vous devrez éliminer des obstacles, dirons-nous. Ils vous contacteront en cas de besoin. J'y réfléchirai. Excusez-moi. J'avais les narines à me décongestionner. Ah, mon Dieu, mon pauvre. Alors, qui c'est qui veut me faire la causette? Qui c'est? Tu cherches un petit boulot? Non, je cherche un type du nom de Christophe. Oh, je vois. Ouais, je le connais. Va voir Ayo en haut. Il devrait pouvoir t'aider. Là. J'ai vu ton annonce sur le tableau. Tu es traceur. Génial. Cette andouille de Dawood s'est assise sur mes lunettes à la cantine et je suis myope comme une taupe. Comment je vais pouvoir aider Alfie si je ne vois pas à 2 mètres? J'ai une paire de rechange chez moi. C'est pas trop loin. C'est juste que... moi, je peux pas y aller. T'as besoin d'autre chose là-bas? Tant qu'à y aller... Oh, t'es vraiment sympa. Merci. Autre chose? Oui. On a décidé de créer un petit potager sur le toit, histoire de cultiver quelques légumes. Mais on sait pas trop par où commencer. J'ai eu un livre de jardinage pour mon anniversaire. Je l'ai jamais ouvert. Ça s'appelle « Le jardinage pour les nuls » ou un truc dans le genre. Normalement, il doit être sur une étagère. Mais bon, tu seras peut-être obligé de fouiller un peu. Mais il a raison, le coup d'être myope et d'avoir une paire de verres correcteurs de secours, c'est vrai que c'est important. Moi, normalement, j'ai la mienne. Il faudra que je vérifie qu'elle est bien au bon endroit, parce que le jour où je pète mes lunettes, je suis dans une mouise monumentale. C'est... je peux plus vivre. Il faudrait pas que ça m'arrive. Le plus simple, c'est d'aller voir Rice. Oui, bien sûr. Pop. Oh, la bande d'arcade des enfers! Oh, mon Dieu. Ben, j'espère bien que tu vas me faire un bon prix, mon gars. On se connaît. Buckshot. Ah oui, non, ouais, c'est l'épreuve. Non, lui, je lui ai déjà fait la causette. Alors, déjà, tu es un escroc. Pour commencer, vu les tarifs prohibitifs. Produits chimiques. Plastique. Ah, il n'y en a pas un qui va me proposer du plastoc. Hein.
Il y en a pas un qui va me proposer du plastoc. Ouais, je te vends mon paquet de clopes là que j'ai ramassé il y a pas longtemps. C'est déjà ça. Ah, ma planque de joueur. Bah attendez, je vais faire le coup du... Attendez. Oh la vache, ouais, j'ai quand même des flingues déjà. Oh la liste. Elle est vraiment illimitée ou... Alors, ouais. Je veux bien prendre. Ah merde, il m'a réinitialisé la liste. Attends, c'était où mon truc? Je sais plus. Ouais, c'était vers la fin. Ah, quand même. Oh la vache. Si j'arrive à vendre tout ça, je vais me faire une thune. Merde, j'ai sélectionné, je voulais pas. Oh, j'ai du mal avec la liste déroulante. Amélioration. Alors, bourse. Ah ouais, ça va faire de la thune. Là, je suis quasiment à 27 000. À mon avis, je vais passer à 40 000 d'un coup. J'ai de la thune. Il faudrait que je ruse. Alors là, maintenant, je pense pas. Je suis encore au début de l'histoire, je pense. Il faudrait que je ruse en conservant quand même des objets précieux dans mes... Comme on dit, jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Garder des objets précieux dans mes bagages et d'avoir la moitié en thune sur moi. Parce que si à un moment, il y a un passage scripté, en scénarium, comme on dit, où je me fais avoir et je me fais racketter, enfin, ce serait moche quand même de la part du jeu. Mais, faut se méfier. Faut se méfier. Voilà, objet de valeur, 6 000 $. Ouais. Et le coût des caisses, je sais pas à qui je dois les donner. Je finirai bien par trouver. 6 000 $ d'objets précieux, tranquille. Tranquille. À qui il faut donner les caisses humanitaires? Ouais, calme-toi même, oh. Ah, livrer le parachutage, c'est lui. T'as quoi faire à Aïs au poteau, hein? Je te tire mon chapeau, mon pote. J'ai eu un score de ma boule. Ouh là là. J'ai déverrouillé plein de trucs. Non? Non, pas tant que ça. Mais Mazette... Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Oui, bah le tableau, je le verrai sur le retour, parce que là, j'ai encore à causer dans les étages. Normalement, je devrais m'entretenir avec la charmante Jed, là, puis lui dire qu'elle a une fan. La fameuse Scorpio, là. J'aime bien le personnage, hein. J'aime bien la demoiselle, hein. Elle est cool. Ah bah. Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée, et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken... voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... et quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. Ça, c'est moche. Le fait d'avoir les gamins qui ont été... zombifié, c'est moche. Content de te voir, Crane. T'as pas vu ce qui est arrivé. Et c'est pas plus mal. On dirait Alix dans Half-Life 2. Ouais, ils s'en sont probablement inspirés. Mais moi, j'aime bien le côté d'avoir des personnages quasiment principaux. On peut pas dire principaux, si. On peut le dire, c'est un personnage principal. Et que ce soit des personnages féminins qui se laissent pas marcher sur les pieds. J'aime beaucoup. Non, c'est cool. J'aime bien. J'aime vraiment. Y'a rien d'autre à faire. De toute façon, Raïs a bien plus d'hommes que... On limite la casse. Attends. Celui qui parle est pas celui que je crois là. C'est pas possible. Parce que ou alors il y a un souci de synchro labial. Mais bon, bref. Qu'est-ce qu'il fait lui? Salut Crane. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je cherche un éclaireur du nom de Christophe. Le petit nouveau? Il est parti en reconnaissance. Mais ça fait un moment que j'ai pas eu de ses nouvelles.
Raïm m'a dit qu'il était nickel, mais j'en suis pas convaincu. Raïm, tu parles d'une référence. C'est ce qu'a dit Brecon. Bon, c'est peut-être juste un problème de radio. Une partie des batteries sont HS. C'est le bordel. Par où il est parti? Vers le gratte-ciel construit récemment. Je ferais mieux d'aller voir. Fais attention à toi. Bon, bah on en apprend des choses. Il y en a des choses à faire. Attends, je vais allumer la lampe parce que on voit que Puik. On voit que Puik malgré le soleil. On voit que Puik. On voit que Puik. Quoi? Ah oui, c'est un défi. Oui, bah ce sera sur la fin les défis. Hein. Ah, c'est la carte de la ville, dis donc. Oh la vache. Non, oui, non, vaut mieux mettre la lumière. On voit qu'il y a un point d'eau intérieur. Ouais, ouais. Et puis il y a la fameuse grotte tout à l'heure où j'ai failli m'engouffrer. Et il doit y avoir de ces trucs là-dedans, ça va être une horreur. Ça doit être une horreur. Ah, magasin. Ah oui, non, c'est l'atelier. Ça bosse. Ça bosse dur, les gars. Ta 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 ti ta ta. Non, là, il n'y a rien. Là, c'est... Ah non, c'est pas fermé. Ah. Ah. Il y a de l'exploration. Ah, la photo du chat. Ah oui. Mince, pardon, je suis nimp. Ah, le matou. What? C'est la séquence drama après tous ces épisodes. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antigine. Et là, on n'en reçoit plus. Il y avait des enfants! Lina a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader! Je suis prof de parcours, c'est tout! Tous Freyren, c'était toi? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Des putains de cartes de visite! J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et quitter mon petit appartement pourri. Écoute, je vais aller parler à Rice. Eh, attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution. Une meilleure solution. Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Et tout à l'heure, je faisais la remarque qu'à un moment, ils ont écrit avec un dialogue avec Rice au début de ma session de jeu, ce matin. Ils avaient écrit Clébar avec un K, alors que moi, Clébar, je l'écris avec un C. Donc ça m'a intrigué. Voilà. Faudra vérifier l'orthographe. Mais oui, tu as raison, en disant parcours avec un K, ça désigne effectivement cette activité physique extrême à distinguer d'un parcours classique avec un C, quoi. Effectivement, je crois que ça a été depuis plusieurs années validé par l'Académie française. Enfin, je m'avance peut-être un peu à vérifier, mais pour moi, c'est quelque chose qui est devenu commun dans le langage, donc ça ne me choque pas. Mais le coup du clébard avec un K, j'ai pas spécialement adhéré. Clébard avec un K, ça me choque. Moi, je l'écris avec un C. Enfin bon, voili voili. Bon, c'était votre séquence drama. Quelque chose de bien. J'ai des... Ah oui, merde, j'ai à nouveau des points de compétences pas utilisés. Camouflage. Apprenez à utiliser les cadavres pour ne pas vous faire repérer par les infectés. Oh, c'est horrible, mais j'achète tout de suite. C'est horrible, mais j'adore la technique de survie. Alors, Tunesend dit... Ouais, c'est bien avec un C. Merci, Fanfan. Tunesend dit... Très vivant aussi, un klebs ou klebar, péjoratif pour chien, venu de l'algérien, dialectal, kleb. Pluriel kleb. Oui, c'est de l'arabe standard, ok. Keleb en hébreu. Ah, Keleb.
Renvoyé dans son douar d'origine, campement de temps de village est une expression répressive datant de la guerre d'Algérie. Ah ouais! Wow! Ah, je... Merci de m'apprendre que c'est un passif. Ah oui, ils ont fait ça, la va-vite. Ils ont fait ça dans la panique à la va-vite de Cannassé. Ouais, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Oula. Oula. Ah, il est déprimé, le gars. Il est... Oula là. Ah bah oui, du coup, ils ont perdu leur pharmacie. Ils ont dû réimproviser dans un appart une... Oh, ça a dû être le bordel. Oh là 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 là. Oui, on est gentil, on leur laisse. Bon, faut dire aussi, j'ai tellement de matos. Ce serait moche que je leur ship. Oh bah, elle doit pas être heureuse. Elle est neutre, elle fait son boulot. Elle arrive à se rendre utile. J'y comprends. Message de Fun Fan 1992. Mm-hmm. Durant la guerre d'Algérie, un chien a volé une clé et un mec a c'est un clé bird. Et qu'il est con. Et qu'il est con. Ah non, non. Aïe. Ah, échanger. Oh, un arc. Oh, ce serait pas pour me déplaire. Le problème, c'est qu'il faut se faire des flèches. Ah, je sais qu'il peut y avoir une arbalète aussi. Oui, c'est revenu le... Ouais, tu une scène, forcément, il est atterré. ah, plan des flèches. Ah, bah voilà. Eh bah, il fournit tout. Ah bah, écoute, merde, j'ai gagné du fric. Arc et flèche, allez hop. Ah, je veux bien. L'idée de dégommer des flèches, ça va me plaire. Surtout que ça ouvre un nouveau champ de stratégie. Oui, j'entends son rire à distance, oui. Mais tout le monde est traumatisé par le rire de Fun Fan. Le premier, c'est Bastos. Qu'on salue, d'ailleurs, il doit être en train de bosser. Alors, attendez. Aérosol, câble électrique, pile. Alors, des flèches, munitions pour l'arc. Tuez vos ennemis en silence, sans effort, et visez la tête. Je veux bien... Allez. Je vais... Ah, il en a deux. Allez, j'achète tout pour 1000$. J'ai du fric, autant que je le dépense. Munitions de pistolet. Oh, 250. Je suis déjà plein aux as. Oh, plastique. Plastique, ça vaut le coup pour faire des pétards. Les plastiques, ça se refuse pas. Vendre. Bah, j'ai plus rien à vendre, là. Je me suis... J'ai tout claqué, là. Youhou. Il m'énerve en disant le plus simple est d'aller voir Rice. En plus, tout le monde sait qu'ils ont tort. On ne négocie pas avec Rice. C'est un dictateur. Attendez. Ah, j'ai fait le tour, c'est bon, c'est mort. Chercher un endroit isolé sur le toit pour contacter le GRE. Ouais, je vais me faire une joie de monter sur le toit. Ah bah oui, le balcon. Je vais t'inviter à escalader le balcon. Oh, la vue est magnifique. Oh la vache. Non, je vais me tuer là si j'escalade le balcon comme ça. Non, j'ai rien dit. Et oh, je monte pas sur la rambarde, je veux pas mourir moi. Pas fou. Attends, c'est moi ou j'ai entendu un zombie? Ah non, c'est la radio. Il y a quelqu'un qui semble contacter Rice. Oh mon dieu, on entend des voix. Et ce meuble? Non, il n'y a rien dedans. Je deviens fou! Au secours! Il y a trop de trucs à gérer. Bon, c'est par où que je monte à l'étage, moi? Ah, voilà. Fallait que je m'en plaigne pour trouver les chemins. Ah ouais, il y a encore l'étage là. Ouh, il va y avoir encore du dialogue. Mon pauvre, je te réveille. Oh là là. Avec une lampe torche dans la tronche.
En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la J'adore le tapis. Trop bien le tapis. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Elle est en plastoc cette plante, c'est pas possible. J'ai une dette envers toi, Crane. Ouais. Vous avez tous des dettes envers moi. Non, y a rien à faire. Je peux pas m'empêcher de me promener. Que s'est-il passé ? Où est Daoud ? Il est parti. Il a pris mon fils. Hein ? Sérieux ? Tu peux me dire ce qui est arrivé ? Ça faisait des semaines qu'il voulait partir, mais je trouvais ça trop dangereux. On s'est disputé à ce sujet. Tu m'étonnes. Alors il a trouvé un pistolet. Il a pris tout notre argent et il a kidnappé Samy. Il a pris mon fils. Tu sais où il est allé ? Il a dit qu'il avait trouvé un moyen de sortir. Et je n'en sais pas plus. Il n'a rien voulu me dire. Pardon. Comment il a pu faire ça ? Comment a-t-il trouvé un pistolet ? Tu es désolé, Salma, c'est moi qui le lui ai trouvé. Il disait qu'il s'en servirait pour tous vous sortir de là. Non, non, non. Non, non, Daoud ne voulait plus de moi. Depuis très longtemps. Maintenant, il a ce qu'il voulait. Je vais te ramener ton fils, Salma. Je sais pas comment, mais je le ferai. C'est moche. En même temps, pardon, mais on pouvait pas interagir avec elle. Alors, comme l'autre imposait sa dictature en parfait petit tyran domestique, comme j'aime les appeler, son dictateur patriarcal, là, du coup, évidemment, il faut qu'elle soit isolée pour que j'apprenne le drame. Oh, on ira régler nos comptes avec l'intéressé. Réponds-moi, Daoud, réponds-moi, espèce de fils de pute. Pas besoin de gueuler, Crane. Et de me suivre. C'est inutile. S'il te plaît, dis à Salma que je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Samy sera en sécurité, je le jure. Attends, Daoud ! Daoud ! Où est-ce que t'es ? Oh, merde. Oh la vache, le pauvre. Aïe, 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 aïe. Non, bah la pauvre, je peux plus rien lui dire, la malheureuse. Ouais. Sadique Tarture. C'est ça, tu une scène. Pauvre gosse. Ils ont perdu leurs camarades de jeu. Aïe, 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 aïe. Ils ont perdu leurs copains, eux aussi. C'est dégueulasse. La, 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 la. Ah, une boîte à outils. Rigolo. Quoi ? On a trouvé le machin qui dévore les gens. Je voulais l'appeler le carnage façon réponse, mais ma mère m'a dit que je pouvais pas utiliser ce nom. Et puis c'était un titre super nul. Au début, j'étais pas content, mais après, quand je l'ai vu couper la tête d'un zombie avec un marteau piqueur, je me suis dit qu'il valait mieux que je me taise. Eh ben, pas mal. Il y a une pique envers Disney, là. Je m'y attendais pas, elle est drôle. Ah, comme quoi, il faut pas bouder le moindre dialogue. Aïe, 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 aïe. Oula, il mange que des conserves de poissons, là, ou quoi? Ouais, ils ont pas internet, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh là 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 là. Ta 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 ta. Ouh là, et oh la chaise.
Oh la vache. Ils s'abordent dans vos conserves comme en 40. C'est horrible. Oh, le monsieur me fait presque penser un peu à Harry Roselmack. J'en me lâche Fun Fan. Ça parle mal. Ça parle mal. Ta ta ti la ta 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 ti ta ta la ta. Alors lui, non, il me dit rien. Oh, là, c'est une cuisine épurée, il n'y a plus rien. Ah, lui, il ronfle. Il n'y a pas statuette, rien, il n'y a pas de... On voit que le jeu sauvegarde. Ah, il y a une mouche, je me disais, mais qu'est-ce que j'entends? Ils ont même fait une bruit de mouche, c'est excellent. Le réalisme poussé à son paroxysme. Non, bon bah à part ça, il n'y a rien de... Voilà quoi, on a fait le tour. Bon, le dialogue avec les gamins m'ont fait rigoler. C'est le bon point. C'est le bon point. Ah ! L'autre va faire une dépression. Raïm ? Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Crane. Tu peux te faire confiance ? T'es sous ou quoi ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il ? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapaces dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Ah, me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisigne dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Ah, merde! Me lâche pas! Me lâche pas! C'était plus que prévisible. Oh, putain. Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike. Mais... Et encore, il m'en reste pas beaucoup. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi ça ? Je devais partir le dimanche. Mais ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok ? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Eh ouais, dur. Dur, dur, dur. Ah oui, ils essayent de faire des... Un petit potager, c'est bien. Bon, ouais, évidemment, ils ont recyclé le parcours pour que je puisse contacter le GRE sans me faire entendre. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antisine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antisine, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés. Avec votre fichier à la con, je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Ha ! Tu m'étonnes. Aïe, 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 aïe. C'est beau, j'adore comment ils ont géré l'effet de profondeur. Au niveau du paysage, c'est magnifique.
c'est Jade. Tu m'entends? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antizine. Ah. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons, près de l'école. Ok. Au fait, Jade, si jamais on retrouve pas l'antizine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos d'eux? Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. D'ailleurs, c'est bête, mais j'ai pas eu l'occasion de lui dire qu'elle avait une fan. Vous me direz, c'est pas le moment. Mais, à charge de revanche, bonjour Devil Olive. Une recette de poulet basquaise. Ah, ça me donne faim, j'aime bien le poulet basquaise. C'est un plat que j'aime beaucoup. Et c'est un plat que j'avais découvert dans un resto parisien, si je dis pas de bêtises, il y a des années de ça. Le mec l'avait bien préparé. C'était peut-être même d'ailleurs la spécialité du restaurant, je ne me souviens plus. Mais vachement bon, un délice. Un délice. Par ça, j'espère que tu vas bien, Devil Olive. Divile Olive, je devrais dire. En tout cas, merci à toi d'être là. Ah oui, il y a toujours un pion à déplacer ici. Je me demande s'il n'y a pas une symbolique et un truc à déclencher à la fin, à chaque fois que tu fais un mouvement de pion sur le damier. Il doit y avoir un truc. Ça sent la farce de la part des développeurs. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que, une, j'ai ma vessie qui va exploser. J'ai envie de soulager ma vessie, quelque chose de bien. Et je commence par avoir faim. Je sais pas ce que je vais me faire à manger. Enfin bon. Merde, c'est pas la bonne touche pour la lampe torche. Ouais. La suite sera au prochain épisode. Oh, je me mets là au niveau de la lumière. Je suis dans de beaux draps. Ouais, ça va. Ouais, ça va tranquillou, Devil Olive. C'est cool. Oh, je suis content d'avoir un arc. La classe. L'arc et flèche, à mon avis, ça va m'être vachement utile. Ouais. Après, pas mal de matos. C'est bien, j'ai bien investi, je trouve. La prochaine partie va être sacrément intéressante. Ouais, l'arme là, elle est à réparer. Alors, est-ce qu'il... Ah merde, il m'a compté. Là, pour le coup, il m'a compté un truc de réparation, parce que j'ai dû bien bousiller l'arme. Mais bon. Compétences, je suis à jour. Les plans, évidemment, j'en ai tout. Ah tiens, plan des flèches. Alors, c'est comment? Pièce métallique, clou. Ah ouais! Ah, il va falloir que je fasse les quincailleries, moi. Intéressant. Ouais. Vas-y voir. Ah, ordinaire! C'est-à-dire qu'on peut faire des flèches spéciales. Je pense qu'il peut y avoir les flèches enflammées, les flèches explosives, les flèches électriques, etc. Sympa! Ouh, ça va me plaire, ça va me plaire. Il y aura des quêtes annexes aussi. Ah, la prochaine fois que... Alors, je sais pas si samedi matin, je jouerai à ce jeu-là. Je pense que j'aurai plus à mon jeu de terroriste dans l'immeuble, là, en 3D, Wolfenstein, le Operation Body Count. Histoire de faire tourner les jeux et faire varier les plaisirs. Mais le week-end prochain, je pense que je reprends... Non, le week-end prochain, je suis pas là. Encore que, non, peut-être le samedi... On verra. Le samedi matin, je serai peut-être là. Et je serai peut-être le jeu là, pour le coup. Ce serait peut-être une bonne idée. Surtout qu'il faut pas que je perde mes réflexes, là. J'étais mauvais aujourd'hui, j'étais mauvais. Bref, on va se quitter là-dessus. Je vais essayer de faire un relais de chaîne à quelqu'un. Je suis en train de presque de me tordre de douleur pour vous dire au niveau de la vessie. Ah, j'ai la vessie qui me travaille, c'est une horreur. Alors, le bon plan, c'est le fait de me voir. Oh, ça, on voit lentement, ça s'est composé. Niveau de puissance de calcul, c'est pas évident. Bref. Ah, il faut que j'ouvre mon... Oh, puis il y a une mise à jour de... Il y a une mise à jour de tout. Faut que je mette à jour tout ça. Alors moi, pour info, je vous dis à tout à l'heure dans deux bonnes heures. Je reprendrai pas à 14h.
Je vais profiter pour... Oh là là, ils sont chiants avec leur pub. Pour appeler de la famille. Je vais clac-clac, je vais prendre 2-3 nouvelles. Et à mon avis, je rediffuse à partir aux environs de 15h. Attendez-vous qu'à partir de 15h, je reprenne mon antenne. Jusqu'à, je pense, 19h. Parce que le soir, je me vois me faire plaisir. Je pense que je vais me faire une soirée peinard dans mon coin de Command & Conquer. Peut-être que j'enregistrerai ma session. Je sais pas, je verrai. Ça dépend si je regarde quelqu'un en soirée sur Twitch en même temps. On verra. Donc à mon avis, je vais vous faire un bon 15h, 19h. Je me tords vraiment de douleur. Faut que j'y aille encore 2 minutes. Faut que je fasse un pissou. Ah, au secours. Oh, il y a Weneda qui est en ligne. Elle est en train de faire le Mass Effect Andromeda. Oh, elle est adorable. Ah, il y a Cadeau Anthony aussi. Ouais, mais Weneda, c'est pas souvent que je la mets en évidence. Voilà, bon appétit à tout le monde, ouais, bon app. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors, Wanida Da A, il y a 3 A. Merde, je suis en majuscule, je peux recommencer mon truc. Wanida A. Ce qui m'empêche pas de... Oula, je sais pas si le raid va partir. Ce qui m'empêche pas de faire de la pub pour Cadeau Anthony, qui est adorable, qui est en train de diffuser, si vous voulez. Il fait je sais pas quel jeu. Cadeau Anthony aussi. Voilà. Ah, le pissou, le pissou. Attention, en me levant, il faut pas que je pète tout. Ah, je tiens plus, c'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Bisous tout plein. Je suis désolé, je tiens plus. On se retrouve à 15h. Excusez-moi, mais... Coucou. Mais du coup, attendez, je sais plus. Le relais de chaîne s'est fait ou pas? Parce qu'en plus, il faut que je coupe proprement le... Ouais, c'est bon. Faut que je coupe l'enregistrement. Voilà, excusez-moi, à tout à l'heure, les copains. 15h. Ah! Oh là là, j'avais vraiment mal à la vessie, là. Dur.
Oh, la souffrance. Le coup du siège percé. Excellent. Ah là 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 là. Allez.